fleuve de vie en nous, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Alors, nous voulons faire le résumé de ce que nous avons vu hier. Nous allons faire, parce que c'est un message pratique. C'est le message des messages. En dehors de la nouvelle naissance, c'est le message des messages. Nous allons aller donc point par point, faire le briefing d'hier de façon claire et afin que nous puissions comprendre. Je voudrais vous encourager. C'est vrai que le cerveau est le moyen par lequel on arrive à prendre les choses dites dans le langage des hommes, en français, en anglais ou autre chose. Mais ne laissez pas votre mémoire, votre raisonnement me suivre, sinon vous n'allez pas aller loin. La vie chrétienne n'est pas une vie intellectuelle, c'est une vie spirituelle. La vie spirituelle, mon frère, ma sœur, elle est très importante, elle contredit. Regardez bien un fait dans l'Ancien Testament déjà, un fait qui est là clair. Une femme qui avait 60 ans, elle s'appelle Sarah. Elle s'en va en Égypte. Toute la cour, tous les ministres de Pharaon, pourtant l'Égypte est remplie de très belles jeunes filles, de très belles femmes. Tout l'Égypte, tout le pays vient dire à Pharaon, il y a une femme extraordinaire qui est entrée dans la ville là. Il n'est pas normal que Pharaon n'ait pas cette femme parmi ses femmes. Une femme de 60 ans, post-ménopausée. Non, je vous parle sérieusement. La vie chrétienne, si vous ne la comprenez pas, vous allez croire que c'est une vie naturelle. 60 ans, ça a 60 ans. Maintenant, cette bonne dame a 75 ans. Elle a 75 ans. Elle est dans une autre ville où le roi s'appelle Abimelech. Tous les gens de la ville, même les jeunes filles disent, il y a une femme qui est arrivée, elle n'a pas de part. On laisse les jeunes filles de 25 ans, de 30 ans, les jeunes filles de 15 ans, 20 ans, 40 ans, et c'est une femme de 75 ans qui attire le regard de tout le monde. Alors, posez-vous la question. C'est le naturel, ça? Dieu a parlé. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il donne la vie au... Donc, quand Dieu a parlé, Dieu a amené une vie en Sarah. Une femme de 75 ans. Personne ne veut les jeunes filles de 25 ans, tout le monde veut la femme de 75 ans. Et réfléchissez vous-même. La vie chrétienne, c'est ça. La vie chrétienne, écoutez-moi, c'est pas quand j'arrive dans un milieu, même s'il y a les ministres, il y a des présidents, quand j'arrive dans un milieu, j'étais avec eux, quand j'arrive seulement, tout change. Tout le monde, non, tout le monde me respecte, tout le monde. Ce sont des présidents, des premiers ministres. Dès que j'arrive au milieu d'eux, dans toute l'Afrique de l'Ouest, partout, tout le monde change. Tout le monde commence à. Pourquoi? Il y a quelque chose en moi qui n'ont pas. Il y a quelque chose qui n'ont pas. Ils le savent. Ça, c'est au public, il n'y a rien de caché. Je ne sors pas. Je suis entre l'aéroport, ma maison, l'église ou des gens. Dès que je m'en vais dans un supermarché à Ouara ou ailleurs, dès que j'arrive, les LH, tous les LH, les grands musulmans là, viennent, pasteur. Bénédiction, bénédiction. Quand je vois des Pourquoi c'est un musulman, un élage. Pourquoi il suit un pasteur et lui demande de prononcer la bénédiction? Pourquoi ils me suivent? Simplement, ils disent qu'ils veulent me saluer, Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent qu'il y a quelque chose en moi. Si vous n'êtes pas conscient de ça, vous vous promenez comme quelqu'un là, un homme qui est sans logis. Le grand Dieu habite en vous. Vous êtes vous avez des ordinateurs, vous êtes loaded, chargé de Dieu. Ça, c'est des faits. Que le jour que tu es devenu chrétien là, Dieu est venu en toi. Que tu le crois pas, ça te regarde. Il est en toi. Mais si tu ne veux pas l'utiliser, tant pis pour toi. Tu perds ton temps. Pas bien de dire comment. Il n'y a pas de comment. Il n'y a pas de how là-bas. La plupart des how là, vous avez appris avec les livres américains là. How to be, how to have. On n'a pas de how. How c'est quoi?
C'est déjà là en nous. C'est déjà là en vous. Le Havre, tout le monde a ça. Allez-y en Amérique, tout le monde, les hindous, tout le monde, les bouddhistes, tout le monde sait faire le Havre. How to be rich. Comment être préféré. Tout le monde a sa notion dans ça. Ne suivez pas les gens aveuglément. Ce que je vous dis là, vous les suivez aujourd'hui. Moi, je les ai suivis il y a longtemps. Les Béni Hinn, je les connais personnellement. Les Maurice Rolo, je les connais personnellement. Les démons chacanins qui sont morts, je les connaissais. Les Oral Robert, je suis allé chez eux. Les Kenneth Hagen. Vous admirez des gens qui, à 25 ans, moi, j'ai suivi, regardé, quand j'ai vu les secrets, j'ai dit non, merci, au revoir. Je retourne en Afrique. Je préfère avoir Dieu en moi que des. Il y a trop, écoutez aujourd'hui, il y a trop de choses qu'on peut mettre en scène. Un petit miracle en Amérique, on va le mettre en scène, on dirait que c'est le plus grand miracle. Alors que chez nous, il y a des miracles, des morts qui ressuscitent, mais comme il n'y a pas de caméra, personne ne le voit. C'est ça le problème. On amplifie les choses. Quand je suis arrivé dans la réalité, j'ai vu ça. Une fois, j'étais à Los Angeles. J'étais chez Maurice Chérou, j'ai quitté. Je partais au Texas, à Dallas. À Dallas. J'arrive, je prends à Dallas, Fort Worth, je prends le taxi. C'était un Pakistanais qui me conduisait. Il me dit, tu vas où? Je donne le nom d'un grand pasteur. Il me dit, monsieur, de lui, il n'est pas chrétien. Lui, il est Bahaï. Il me dit clairement, vaut mieux que j'aille quelque part. Ce pasteur dont je viens de parler, qui est un homme excellent là, il dit dans quelques jours, on va l'emprisonner pour 20 ans d'escroquerie, de manipulation. Il s'en va devant, il envoie quelqu'un devant l'église. Il voit une vieille femme qui vient avec une canne. On prend la vieille femme, on la fait asseoir quelque part, à côté de quelqu'un qui a un problème d'oreille. Quand on le filme, il voit tout ça de son bureau. Quand il vient, il dit maintenant à l'autre là, il dit allez, prends la canne, lève la canne, marche maintenant. Les gens crient qu'il y a quelqu'un qui a marché. Il a fallu des caméras cachées pour filmer tout ça, ils ont découvert. 20 ans de prison. Le Pakistanais m'a dit, j'ai une église, là, un pasteur, moi j'ai un pasteur qui est sérieux, je vais t'amener là-bas, va là-bas. Ce gars-là ne part pas, c'est un menteur. Les gens ne veulent pas la vérité. Les gens veulent qu'on les trompe. Les gens veulent qu'on les trompe. Regardez la vie des gens. Regardez la vie des gens. Vous ne pouvez pas dire quelqu'un qui a la vie qui va divorcer. Quelqu'un qui a l'amour. J'ai l'amour de Dieu en moi. Ma femme a l'amour de Dieu en moi. Comment je vais divorcer? Comment? Impossible de divorcer. L'amour ne divorce pas. Puisqu'on dit l'amour n'échoue pas. C'est écrit dans 1 Corinthiens 13, 8. L'amour n'échoue pas. Tu as beau faire tout ce que tu veux, cette femme que j'ai épousée là, tu ne peux pas me faire divorcer. Tu vas me faire divorcer comment? La vie divine, c'est une vie surnaturelle. Ce n'est pas une vie naturelle. Mais à force de la prendre comme une vie naturelle, à la fin, vous avez des problèmes. Ce n'est pas une vie, bon Seigneur, pasteur, il faut prier pour moi. On peut prier pour quelqu'un. Si ton intérieur n'est pas fixé là, tout ce que tu as eu là, tu le perds demain. Le père. On a vu des grands cancéreux être guéris, mourir même 3 mois plus tard. Le cancer est devenu pire. Pourtant, il y avait des résultats que le cancer est parti. Parce que son homme intérieur refusait. Son homme intérieur refusait. Son homme intérieur, c'est ça, votre vrai moi. Votre vrai moi. C'est pas l'homme extérieur. Quand je parle là, je parle parce que. Vous êtes dans un milieu où tout est un peu traficoté. Le milieu scientifique, c'est trop traficoté. Tout. Même vos produits bio, là, c'est traficoté. Médicaments, traficoté. Traficoté. Tout. Les effets secondaires des médicaments qui tuent les gens en France chaque année, c'est 100 000 personnes, 100 maladies, effets secondaires des médicaments qui tuent les gens. En Amérique, c'est pire. «
Quand on veut vous dire la vérité, non, non, vous préférez les choses traficotées. Moi, je ne vous vendrai pas les choses traficotées. Une banane que vous achetez, c'est pour attirer votre attention. Vous venez de la ville là, vous êtes trop traumatisé. Donc, je préfère vous calmer d'abord avant de parler. Parce que votre eau là trouble encore. Je vais déposer que la boue là se dépose. Après, je vais maintenant parler. Une banane que vous achetez, vous déposez la banane. Dans le terme normal, la banane est un fruit très bien. Il y a l'oxygène là-dedans. Mais le fait d'avoir posé la banane là, la banane va commencer à s'oxyder au bout de 2 ou 3 jours. Mais une banane que vous achetez, vous posez, 5 jours, la banane n'est pas noire, rien, et n'est pas oxydée, sachez qu'il y a un produit là-dedans qui va vous tuer. L'oxydation est normale. C'est le processus. Vous entendez? L'oxydation est normale. C'est pourquoi le fer qui est déposé longtemps au dehors là va s'oxyder. Un produit normal, une banane, depuis une semaine, vous posez, rien, tout jaune, jaune, jaune. Mangez ça, vous allez jaunir. Non, tout ce que vous voulez, ça vous attire. Ah, les bananes là sont jaunes, elles sont jolies. Ça, c'est l'apparence. C'est l'apparence. Vous avez été tellement connu. Je suis un homme de commerce international. Quand nous commençons les merchandising, le marketing et tout ça là, en ce temps-là, vous n'étiez pas né. Quand je faisais ici en France, c'est ici que j'ai fait mes études. Vous n'étiez pas né. On sait comment on doit disposer. J'ai été directeur général 6 ans. Des grands supermarchés. Je sais comment on dispose les produits. Pour faire avancer, tous les produits qui sont indispensables sont posés à terre. Les savons, tu es obligé de te baisser pour prendre. Tu as besoin de ça. Mais tout produit qu'on ne veut pas, qu'on veut te faire acheter, on le met au niveau de tes yeux. Et on le fait passer à la télé. À la télé. Dès que tu rentres, tu vois des yeux. Ah tiens, voilà le nouveau produit. Et sans effort, tu le prends, tu mets dans ton panier, tu t'en vas. C'est comme ça le commerce. Il n'y a pas autre chose là. Donc, Dieu m'a donné d'avoir le niveau intellectuel. Donc, je ne suis pas un analphabète. Quand je viens te parler là, n'essaie pas de me contredire. Pas ton master là ne vaut pas le diplôme que j'ai. Toi, tu as un master 2, ça, ce n'est rien. Master 1, 2 ou par copie là. Nous, on a tes vrais diplômes qu'on avait. Non, je préfère vous parler. Parce que quand vous voyez les gens, il sait pas que j'ai master en finance ou audit. Moi, j'ai été auditeur sans avoir master. Non, je vais d'abord vous mettre dans l'ambiance. Je veux pas que ce soit votre cerveau qui reçoive la chose, votre cœur, pas votre cerveau. Donc, vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, il y a quelque chose de très important dans la vie qu'il faut bien comprendre. La vie éternelle, ce n'est pas le succès sur la terre. On est en train de voyager. Je vous ai dit, le meilleur pilote et le meilleur copilote que vous ayez et les meilleurs stewards et hôtesses dans un avion, l'important n'est pas ce qu'on vous sert dans l'avion à manger. L'important est que vous arrivez à destination. On peut vous distribuer des gadgets dans l'avion. On peut vous donner tout dans l'avion. On peut vous donner les meilleures boissons. Tant que vous n'êtes pas arrivé là, c'est inutile. C'est inutile. La vie chrétienne, tant que vous n'êtes pas arrivé, tout ce qu'on fait là, c'est inutile. Ça peut vous entretenir, mais c'est inutile. Le but final, c'est de savoir. Dès que tu fermes les yeux, tu apparais dans l'éternité. Christ est là pour t'attendre. Si Christ n'est pas là pour t'attendre, mon frère, tu as perdu ton temps. Il faut être sûr de ça chaque jour en dormant là, que Christ est là. Si jamais tu n'ouvres pas les yeux, tu le vois. Sois sûr de ça. La vie chrétienne, c'est ça. Hein. Ce n'est pas une affaire d'église. C'est une affaire de vie éternelle. Je termine quelque part dans un endroit qui est sûr, plus sûr que Paris. Prends-toi au sérieux toi-même.
Prends-toi au sérieux. Prends-toi au sérieux. Alors, hier, nous avons vu, nous avons commencé, nous avons introduit. Alors, ce soir, le sous-thème, c'est « Ouvre ton esprit et laisse couler les fleuves de vie. » Ouvre ton esprit et laisse couler les fleuves de vie. Il y a des fleuves de vie en toi. Mais si tu n'ouvres pas, rien ne se passera. Rien. Ouvre ton esprit, pas ton corps, hein, ni ton âme, ton esprit. Ton esprit, c'est là où le Saint-Esprit habite. Ton âme, c'est ta personnalité. C'est là où il y a les émotions, là où il y a les sentiments, là où il y a l'intelligence, la raison. Même quelqu'un qui n'est pas né de nouveau a une âme. Mais quelqu'un qui n'est pas né de nouveau n'a pas l'esprit. Aucun homme qui est né, même s'il est président, il n'a pas l'esprit. Il est mort spirituellement. Il ne comprend pas les choses spirituelles. Alors, ouvre ton esprit. Là où se trouve le Saint-Esprit, là, dans Jean 7, 38, il est dit que, il dit, voici, celui qui croit là, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, quand l'Esprit sera glorifié. L'Esprit a été glorifié, Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit est descendu. Donc, le Saint-Esprit est en moi. Et il est en moi. Et on dit les fleuves, on dit des fleuves. On n'a pas dit un fleuve, hein, des fleuves. Des fleuves de quoi? D'eau vive, ça veut dire quoi? Des fleuves de vie spirituelle, des fleuves de guérison, des fleuves de bonne santé, des fleuves de prospérité, des fleuves de victoire. Tous ces fleuves sont déjà en toi, ce n'est pas au dehors. Pourquoi vous passez votre temps à crier, à pleurer pour avoir la victoire? La victoire vient de l'intérieur pour l'extérieur. Dans la vie chrétienne, tout va de l'intérieur vers l'extérieur, pas de l'extérieur vers l'intérieur. La vie chrétienne part d'ici pour aller vers l'extérieur. C'est pourquoi on dit celui qui est en vous est plus grand que celui qui est au dehors. Il est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que la maladie qui est au dehors. Celui qui est en vous est plus grand que le cancer qui est au dehors. La vie chrétienne ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Et il y a un dépôt en toi. On te dit que le Christ qui est en toi, qui est le mystère de Dieu révélé, Colossiens 2, 3, qui est le mystère de Dieu révélé, en lui se trouvent tous les trésors de la sagesse, de la science appliquée, tous les trésors. Il dit toute la plénitude de la divinité, tout ce qui est Dieu est en Christ et Christ est en toi. Comment tu peux manquer quelque chose? Ça, c'est des faits divins. Les faits divins, on les accepte, on ne les comprend pas, on les accepte. Qu'on ne sente pas, on les accepte. On les accepte. Alors, je vais résumer ce qu'on a vu hier pour que ce soit clair. Le problème, quand vous venez pour écouter, vous venez déjà avec des a priori, vous venez avec déjà ce que vous avez lu chez un grand pasteur. Moi, je ne suis pas grand pasteur, mais j'ai un grand Dieu. Voilà, je viens de parler du grand Dieu. Je ne suis pas grand pasteur, j'ai un grand Dieu. Donc, laisse tomber tes grands hommes là. Bah, écoute-moi le grand Dieu. Ah oui, mais Karambiri dit ça, mais il y a Tidi Jek qui a dit ça. Ce n'est pas mon problème. Si Tidi Jek a dit, si ce qu'il dit n'est pas vrai, laisse ça tomber. Ce n'est pas en termes de Tidi Jek, ce n'est pas en termes de star. Les stars de Hollywood, là, ils se suicident tous les jours là. Il a fait des stars, il a fait des vérités bibliques. C'est la Bible, c'est ça qui est important. Même si le plus grand pasteur du monde l'a dit, si ce n'est pas biblique, moi je froisse ça, je continue ma route. Parce qu'il ne m'intéresse pas. Vous êtes intéressé par les stars. Regardez ce que les faits divins. Les faits divins, ce sont les faits qui viennent de Dieu. Ça ne vient pas de toi ni de moi. C'est ce que Dieu a posé comme des faits. Ce sont les bornes qu'il a établies. On ne peut plus les enlever. Il faut accepter ça. Ce n'est pas de promesse. La promesse n'est pas encore accomplie. Tu dois te débrouiller pour l'accomplir. Les faits, ce que Dieu a déjà fait. Ce que Dieu a déjà fait. Dieu dit, par ses meurtres, tu es guéri. Tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. Chez Dieu, tu es guéri. Il faut accepter ça d'abord. Accepte ça. Pour qu'à la fin du mois, tu t'en vas à la banque. Tu as demandé au chef comptable. Il t'a dit que le virement a eu lieu. Ton compte est crédité. C'est pourquoi tu vas à la banque? Oui ou non? Alors, tu crois à ton chef comptable. Le chef comptable du ciel
te dit que toute ta vie est créditée de trésors, tu ne crois pas à ça. Vous croyez aux hommes, des menteurs. Vous ne croyez pas au Dieu qui ne ment jamais. Comment voulez-vous vous entendre avec lui? On dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être au préalable d'accord? Dieu a établi des choses en nous. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas là pour prouver. Moi, je suis là pour vous dire ce qu'il a fait. Je ne peux pas prouver que dans ma vie, moi, je te communique quelque chose. C'est à toi de prouver. Ce n'est pas moi de venir te prouver en toi, mon ami. On s'est assis, je t'ai invité à table pour manger. Tu as mangé ce que j'ai mangé. Toi, tu te lèves, tu as des maux de ventre. Ce n'est pas moi qui t'ai donné des maux de ventre, c'est ton ventre qui ne va pas très bien. Moi, j'ai mangé la même chose, je n'ai pas eu de maux de ventre. Toi, tu as eu des maux de ventre. Quelque chose ne va pas. Nous sommes en train de manger la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle. C'est ça qui fortifie mon esprit et mon âme. Alors, un des faits bibliques, un des faits divins de moi, quiconque a reçu Jésus est devenu un enfant de Dieu. Ça, c'est. Je vous ramène le béaba là. Il y a des choses que les gens ont cru comprendre. Parce que la plupart des gens se sont convertis en entrant par la fenêtre. La fenêtre, c'est quoi? C'est la guérison, délivrance, démon ou autre. Ça, c'est la fenêtre, ça, c'est pas la porte. C'est Jésus qui est la porte. Tu t'es trouvé maintenant dans une maison par une fenêtre. Tu ne sais pas où se trouve la porte. Quand on te prenait la porte, tu ne sais pas. Tu dis, ah non, mais comment j'ai été converti? Le pasteur a fait ceci. Non, le pasteur n'a fait que. Tu n'es pas rentré par la porte. Pourquoi tu ne connais pas le portier ni la porte qui s'appelle Jésus? Tu es rentré par un homme de Dieu. Tu avais sept démons. L'autorité qu'il a en Christ et l'onction qu'il a, il a chassé les démons. Mais ce n'est pas lui. Tu ne connais pas le portier ni la porte. Tu es rentré par une fenêtre, la fenêtre de la délivrance. On rentre au royaume des cieux par une porte. Le portier s'appelle Jésus, la porte s'appelle Jésus. Si tu es rentré par une fenêtre, débrouille-toi pour reconnaître le portier là. Et va le voir, et va accepter lui, et rentre là-bas. Donc beaucoup de gens sont rentrés en contact avec Jésus. Ils disent oui, moi j'ai vu ceci, j'ai vu cela. C'est pas, tu n'es pas rentré par la porte. Il y a une seule manière de rentrer par la porte. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset. Ne cherchez pas autre chose. Ne lisez pas les livres au hasard qui vont vous empoisonner. Déjà, tu n'es pas toi-même bien équilibré. Tu lis les livres de délivrance. Tu lis pour faire quoi? Les démons vont te tromper. Reprends l'évangile de Jean. Je te défie. Ce mois-là, prends Jean. Prends Luc. Jean va te dire comment Jésus a vécu avec le Père. Il dit, le Père et moi, on est un. C'est le Père qui est en moi, qui fait tout. C'est le Père qui me dit de faire tout. Jésus même te dit ça. Lui, il les conseille, dépendait totalement du Père en lui. Ça, c'est Jean. Luc te dit comment maintenant le Père opère par le Saint-Esprit. Et Matthieu te dit que lorsque le Père est venu en toi par le Saint-Esprit, Luc te l'a dit, Matthieu te dit que tu es né maintenant dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il te parle du royaume des cieux. Chacun des quatre livres a un sens. Si tu les mélanges au hasard comme ça, tu as un problème. Ça devient une bombe. Si vous prenez un verset ici, ça ne vous peut vous nourrir. Vous ne lisez pas la Bible avec une suite. Le seul moment de lire la Bible, c'est quand vous venez là, devant le pasteur, les versets qu'on vous donne là, ça, vous ne retenez pas ça. La Bible est un livre de révélation, un livre de lecture. Ce n'est pas le journal du jour. Dieu te parle sous la forme écrite. Quand tu la fermes, tu as dit à Dieu, Monsieur Dieu, ferme ta bouche, je ne veux pas t'entendre. Quand tu l'ouvres, tu dis à Monsieur Dieu, parle-moi, je suis là pour t'écouter. Merci. Chaque fois que vous fermez la Bible, là, c'est pourquoi je vous demande de rester avec votre Bible, vos iPads, vos iPhones, vos quoi là. Vraiment, moi j'ai horreur de ça. Je ne suis pas moderne, c'est bon. Je suis comme Dieu, il n'est pas moderne. Dieu est éternel, il n'est pas moderne.
Quand vous regardez votre iPad, là, vous avez tendance de lire vos choses, vos messages. Ouvrez la Bible. Venez avec ça ici. Mais à la maison, ouvrez votre Bible. Ouvrez-la, posez-la, regardez-la. Quand vous l'ouvrez seulement, vous ouvrez la bouche de Dieu. Mais dans ça, là, il y a tout. Il y a sorcellerie là-dedans, il y a drogue là-dedans, il y a tout. iPad, iPhone, tout est là-dedans. Mélangé comme ça. Ce n'est pas une Bible. On l'appelle une Bible. Pourquoi vous tombez dans ce piège-là? Quand vous parlez, on dit que non, le caramel n'est pas moderne. Il n'est pas venu de moderne. Dieu est moderne avant toi. Je ne vous dis pas que ce n'est pas lié. Lisez. Lisez. Ce que je vous dis là, la simplicité, plaît à Dieu. Vous croyez que vous impressionnez Dieu parce que vous utilisez ces choses-là? Oh, mais. Parfois, vous êtes insensé. Ça impressionne même pas moi, après avoir dit Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu, ça. Ça n'impressionne pas Dieu. Jean 1,12 nous dit ceci. Jean 1,12 nous dit, mais à tous ceux qui ont reçu la parole lumière qui est Jésus, à ceux qui croient en son nom, le nom Jésus, qui croient d'abord à quoi? Ceux qui ont reçu là, le E muet là, ça veut dire parole lumière, qui ont reçu la parole lumière, à ceux qui ont cru en cette parole lumière a un nom qu'on appelle Jésus. Cette parole lumière maintenant fait quoi? Elle a donné à qui? À celui qui a cru là, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pas la prière d'un pasteur, non. Pas la prière d'un bishop, non. À ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, c'est cette personne-là que la parole de vie régénère, engendre. Et on l'appelle technon, enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Alors, quand on devient enfant de Dieu, comment je le sais? On me dit que la parole qui a été prêchée ou qui a été reçue là m'a donné la capacité de naître de nouveau. Il se peut que je ne le sache pas, parce que ce n'est pas une affaire de corps ni d'âme, c'est une affaire d'esprit. Maintenant, le verset Romains 8, 16 va me dire comment ça se passe, qui l'a fait. La parole a été entendue, il y a quelqu'un, un acteur, qui a pris cette parole-là, qui a pris la parole que j'ai entendue là, qui va l'utiliser, et il s'appelle le Saint-Esprit. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit régénéré. Engendré par la parole, l'Esprit vient rendre témoignage à mon esprit que je suis maintenant enfant de Dieu. Ça, c'est une expérience personnelle. Jean 1,12, c'est ce que Dieu a fait. Romains 8,16, c'est ce que moi, j'ai expérimenté. Donc, les deux expériences vont ensemble. Le prédicateur a prêché la parole lumière. J'étais assis, je l'ai écouté. J'ai dit, moi je crois à cette parole-là. Je la reçois. Et le prédicateur m'invite, bon, quiconque veut recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur, qui s'avance, je m'avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reçois, d'abord je reçois la parole. Je crois au nom du sauveur, parce que sous le ciel, il est dit dans Actes 16, que sous le ciel, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi lesquels on peut être sauvé. Donc, j'ai reçu le nom de la parole humaine qui s'appelle Jésus. Alors, Dieu fait sa part. Il me donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais moi, je ne le sais pas. Comme ça, c'est une expérience absolue. L'expérience maintenant relative, qui est personnelle. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Dès que j'ai reçu cette parole-là, le Saint-Esprit qui vient de pénétrer en moi, dans mon esprit. Mais comme je ne le sais pas, je suis nouveau dans l'affaire, je ne sais pas. Je reçois ce Jésus-là comme sauveur. Le Saint-Esprit vient dans mon esprit. Celui qui a recréé mon esprit, qui a fait de moi une nouvelle création, il témoigne à mon esprit nouveau-là
que je suis enfant de Dieu. C'est ça qui devient mon témoignage. C'est ça qui me donne la paix. Et je ne comprends pas, je me lève le matin, j'étais stressé, j'étais dépressif, la dépression est partie. Je ne comprends pas qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est le Saint-Esprit qui a fait ça. Et maintenant, c'est mon témoignage intérieur que je suis né de nouveau. Ça, c'est la première étape. Dieu fait, j'ai fait ma part. Toujours. Dieu ne fait rien sans demander ma contribution, ma participation. Donc, maintenant, je suis enfant de Dieu. Techno. Je suis né de nouveau. Mais je suis un bébé spirituel. Je ne comprends pas comment Dieu agit. Mais regardez cet homme ou cette femme-là. Elle vient tomber dans une église où les gens ont 15 ans. Comment voulez-vous qu'il rattrape les gens de 15 ans de vie? Si on ne sait pas comment nourrir les bébés. Dans une famille, écoutez-moi, je vous parle simplement là. Dans une famille, le premier enfant a 25 ans. La deuxième fille a 20 ans. Troisième a 19 ans. 17 ans. Et voici un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Comment voulez-vous que des parents normaux prennent le bébé là, les nourrissent avec la nourriture de ses quatre frères? C'est pourquoi beaucoup de gens souffrent. Ces quatre enfants-là ont une expérience que le bébé n'a pas. Le bébé ne sait même pas comment se nourrir. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pourquoi nous mettons tous nos nouveaux convertis à part. On a un livre qu'on appelle « Les principes élémentaires pour les nouveaux convertis ». Tous les nouveaux convertis sont mis à part. On a des gens qui les nourrissent avec ça, les nouveaux convertis, avant de les déverser dans l'assemblée. Un nouveau converti vient de se convertir, vous le mettez dans... L'église est sur le combat spirituel, vous le mettez dans un combat spirituel, il va comprendre quoi? Il ne comprend rien. Vous venez de le déformer. Il commence sa vie spirituelle par le combat spirituel. Même quand il y a une simple mouche dans sa maison, il va dire, il y a quoi? Il va dire à sa femme, combat, combat, combat. C'est des choses, mais je ne comprends pas comment les hommes de Dieu peuvent être... Il y a des choses qui ne vont pas. Vous allez demander à votre bébé de faire un combat spirituel? Le bébé peut faire un combat spirituel? Quand vous convertissez, vous pouvez acheter des livres qui vous dépassent votre capacité de compréhension. Un enfant de l'école primaire qui part acheter un livre des intégrales, il peut comprendre les intégrales? Ou bien, il n'y a pas de mathématiciens ici, là? Il peut comprendre l'intégrale? Est-ce qu'il comprend 1 plus 1 égale 2? S'il ne comprend pas 1 plus 1 égale, il va comprendre les intégrales, double intégrale, il va comprendre ça? C'est le problème de beaucoup d'entre vous. Vous voulez avancer. Dans la vie chrétienne, on ne peut pas sauter. Il n'y a pas d'étape à sauter. Comme dans la vie naturelle, votre bébé qui est né là, si vous voulez tirer son cou, vous allez couper la tête. Laissez-le. Mois par mois, le bébé grandit. Vous êtes étonné. Vous ne savez pas comment il grandit. Vous ne pouvez pas mesurer votre bébé. Il a aujourd'hui 50 cm, demain matin 51. Vous ne savez pas comment ça fait. Nourrissez-le simplement. Nettoyez-le, purifiez-le. L'enfant grandit. Pourquoi vous voulez forcer la vie chrétienne? Vous voulez la forcer pourquoi? Vous voulez la forcer pourquoi? Vous voulez la forcer pourquoi? Nourrissez-vous de la parole. N'essayez pas de copier des gens qui sont avant vous. Impossible. Toute la famille s'occupe du bébé qui est né. Tout le monde, même son grand frère, tout le monde le prend, tout le monde. Mais on ne dit pas au bébé, sois comme nous. D'abord, il n'a pas de dents. On a la même, et aucune maman ne s'inquiète de savoir comment la dentition de l'enfant va venir. Les dents vont venir. Il n'y a pas un supermarché où on vend des dents. On ne peut pas acheter. Et la barbe va sortir en son temps. La maman ne saura pas quand est-ce que la barbe sortira. Parce que la barbe est déjà dans le bébé. Là. La barbe est là. Tu n'as beau regarder, tu ne verras rien. Elle sortira à son temps. La vie divine est en toi. Nourris-toi. Prie en... ça sortira. Un point, c'est tout. Pas compliqué. Vous voulez gêner. Un bébé qui est né, tu le fais gêner. Il va déjeuner dans 3 jours. Il va aller au ciel te laisser.
Il y a des choses simples. Dieu est simple. Dieu n'est pas compliqué. Il est complexe, pas compliqué. Complexe et compliqué, c'est différent. Va prendre le dictionnaire, tu verras la différence. Si tu ne crois pas, note complexe et compliqué. Donc, première chose, je suis devenu un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis réellement un enfant. Il témoigne. Quelqu'un m'explique comment tu es devenu chrétien, je comprends. Je ne peux pas expliquer à quelqu'un. Mais pourquoi tu as cette telle assurance? Parce que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. On ne peut pas l'expliquer. Il faut que la personne vive ça. On ne peut pas l'expliquer, mon frère, ma soeur. On ne peut pas l'expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Comprenez? L'acte sexuel, le but de l'acte sexuel, c'est la procréation. Mais tout acte sexuel est suivi, en grande majorité, de plaisir. Ce n'est pas le plaisir qui donne l'enfant, c'est l'acte sexuel, le sperme qui donne l'enfant, l'ovulation. Le plaisir, c'est un accompagnement. Beaucoup de chrétiens veulent avoir le plaisir sans. Ils n'ont pas de sperme. Je ne vais pas à l'hypocrite. Hein. Quand je vous parle des choses sérieuses. Mais je vous parle sérieusement. Est-ce que le plaisir donne l'enfant? Voici une fille qu'on a violée sans plaisir. Elle aura un enfant, oui ou non? Pendant ce temps-là, il y a ce qu'on appelle sperme. Dans cette jeune fille-là, il y a ce qu'on appelle les ovaires, l'ovulation. Qu'elle soit contente de l'acte sexuel ou pas, qu'elle pleure ou quoi, dès le moment où l'homme injecte sa semence, elle sera en grossesse, sans plaisir. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu est le sperme de Dieu. On appelle ça semence et sperme, c'est le même mot grec. C'est le même mot grec. Dieu a envoyé son sperme en Marie, dans l'esprit de Marie, pas dans le corps de Marie. La semence, que la parole est esprit, la parole, les gens ne comprennent pas. Marie n'a pas reçu dans son ventre, dans son utérus, l'enfant Jésus. Non. La parole est un esprit. Dieu envoie la parole esprit, d'abord dans l'esprit de Marie. Et c'est descendu maintenant dans son âme et dans son utérus. C'est pourquoi Jésus n'a jamais été atteint de aucun péché. C'est la même chose avec le chrétien. Même chose. Alors, bon, tu es devenu chrétien, tu ne comprends pas ça là. Comment tu vas foncer, tu vas avancer comment? Réfléchis toi-même. Tu vas avancer comment? Tu ne comprends pas l'ABC de ça là. Tu vas avancer comment? Le Saint-Esprit qui est venu dans mon esprit, puisque nous sommes tous les deux, c'est pourquoi la Bible dit que lorsque l'homme se marie à la femme, les deux corps deviennent un seul. Ça, c'est du point de vue corporel, physique. Spirituellement, c'est la même chose. Il est dit dans 1 Corinthiens 6, 17, il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. C'est la même chose. Ce qui est naturel et les spirituels vont en parallélisme. Quand l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, les deux deviennent un seul corps. Quand un homme quitte son père, Satan, s'attache à un nouveau papa qu'on appelle bon Dieu, lui et bon Dieu deviennent un. Bon Dieu étant esprit, lui aussi devient esprit, même esprit que bon Dieu. Les choses sont toujours en parallèle, le spirituel et le naturel vont toujours. C'est Dieu qui a créé les deux. Alors, ça c'est les faits de Dieu. Ce sont les faits de Dieu, ce que Dieu a fait. Autre chose que Dieu a faite, 1 Corinthiens 6, 19, 20, Dieu dit, 1 Corinthiens 6, 19, ce que je vous dis ce soir, je l'ai dit hier, il n'y a rien de nouveau, 1 Corinthiens 6, 19.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Si on s'était arrêté, Saint-Esprit, vous allez imaginer ce que vous voulez, qui est en vous. Et que vous avez reçu de qui? De Dieu. C'est pas vous qui l'avez inventé. Vous l'avez reçu de Dieu. Et que vous ne vous appartenez plus. La suite du verset. Que vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi? Verset 20. Car, conjonction de coordination, qui lit la première partie et qui va vous démontrer que ce que vous allez lire là est une suite logique de ce que vous venez d'entendre. Car les conjonctions de coordination et ou donc, ces choses-là, c'est important. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Ça, c'est des faits. Je ne vous demande pas si vous croyez, non, ça c'est des choses que tu acceptes ou pas, c'est ça comme ça. Ne me dis pas que tu as déjà entendu ça. Si tu l'avais entendu, tu l'avais accepté, tu ne serais pas comme ça. Quand on prêche aux gens, les gens sont parfois orgueilleux. On a déjà enseigné ça plusieurs fois. Un pasteur qui dit qu'il a enseigné quelque chose à quelqu'un et personne n'est changé, ils n'ont rien entendu. Pourquoi les femmes aiment répéter à leur mari, mais tu ne m'entends pas? Parce qu'il n'a jamais entendu ce que sa femme lui dit. Oui ou non? Si une femme répète 10 fois à son mari, ça veut dire que le mari n'a jamais entendu ce qu'elle dit. Oui ou non? C'est pourquoi elle est énervée. Donc, c'est pourquoi je suis énervé parfois contre les chrétiens. Parce qu'on vous dit ici, vous avez été racheté à un grand prix. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous dites, oui, on l'a déjà entendu. Il y a 1982, tu as changé? Tu n'as pas changé, tu n'as pas entendu? La plupart des maris disent quoi? Oui, j'entends déjà, oui, j'entends, mais ils n'entendent rien. Ils n'ont rien entendu, rien. 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 Puisqu'ils recommandent demain la même chose. S'il avait entendu hier, s'il avait cru à ce que sa femme a dit, il ne va pas recommencer. C'est la même chose. Vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit, votre corps qui ne vous appartient pas, qui appartient à Dieu. D'abord, tu n'as pas accepté ça, là. C'est un problème. Il faut accepter ça. Ça, est-ce que tu l'as accepté? Tu l'as accepté? Que ton corps, là où tu es assise, là, ton corps, là, appartient à Dieu. Est-ce que tu l'as accepté? En vérité, dis. Sois vrai avec toi-même. Hein. Tu l'as accepté? Ce n'est pas une prédication. Ce n'est pas moi. Moi, j'ai accepté. Toi, tu l'as accepté? Que tu as été racheté à un grand prix, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Et que ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu, appartiennent. Dieu en est le propriétaire. Tu n'en es plus le propriétaire, tu n'es qu'un locataire. C'est pourquoi hier Dieu m'a dit, plusieurs sont confrontés, ce que tu as dit là, plusieurs n'ont rien compris. Ils vont aller se battre. Répète ça aujourd'hui d'une autre manière, tranquillement, et ils vont saisir. Ce que je te dis là, va lire ça. Tu vas voir que tu n'as jamais donné ton corps à Jésus. Jamais. Si tu donnes ton corps à Jésus, il va prendre soin de ça, oui ou non? Votre voiture qui vous appartient là, vous prenez soin de votre voiture, oui ou non? Quand la voiture est en panne, vous l'amenez rapidement où? Vous êtes content d'avoir une voiture qui est en panne? Comment voulez-vous que Dieu, propriétaire de votre corps, soit content que votre corps soit dans la souffrance? À moins que Dieu soit méchant. Il doit être un schizophrène quelque part ou bien quoi. Il ne comprend pas? Réfléchissez vous-même. Quelque chose qui vous appartient, vous faites tout pour entretenir. Et Dieu dit que votre corps et votre esprit lui appartiennent, il les a rachetés. Et Satan lui vient maltraiter votre corps. Et Dieu est en vous, Dieu habite en vous, dans la maison. Levez-vous, allez-y aux Champs-Élysées, allez-y au palais de l'Élysée, allez-y avec un fusil et tirez sur les murs là. Si en 3 minutes vous êtes vivant, venez me voir.
trois minutes, vous êtes mort, cadavre, rempli de balles. Oui ou non? Alors, comment, écoutez-moi, arrêtez votre incrédulité. Comment le grand Dieu qui vit en vous, Satan vient et vous maltraite comme il veut, vous maltraite comme il veut, il s'en va et Dieu ne dit rien. Vous croyez à ça? Vous ne voulez pas que je parle durement? Vous croyez à ça? Même votre voisin qui est à côté de vous là, si chaque matin ses enfants viennent jeter ses ordures devant votre porte, vous êtes content? Vous allez réagir oui ou non? Pourtant, vous n'êtes que locataire. Vous n'êtes pas propriétaire. Locataire. Vous dites, vous croyez quoi exactement? Vous croyez quoi? Ce qu'on croit change les gens. Ce qu'on croit change. Tu crois quoi? Ne me dites pas que vous croyez. Ne me dites pas que vous avez entendu. Si vous avez entendu, vous devez être loin. Quelqu'un qui est en terminale, il échoue au bac une fois. Il échoue au bac deux fois. Et deuxième fois, on vient dire, lui, il comprend tout. Non, ses parents veulent parler. Non, je comprends tout. C'est les professeurs qui sont mauvais. Mais ceux qui étaient avec toi l'année passée sont déjà en deuxième année d'université. Tu es toujours au baccalauréat, tu dis, je comprends. J'ai compris, monsieur, ne me fatiguez pas, je comprends. Et tu vas troisième fois au bac, tu échoues. Et tu dis que tu comprends. Qui va croire à ça? Dites-moi, qui va croire à ça? Ceux qui ont compris sont en quelle année? Troisième année. Toi, tu es toujours au baccalauréat. Toi, tu dis que tu as compris la vie chrétienne. Tu es toujours en train de lutter avec les petits péchés, les petits démons là. Les petits démons. Les maris de nuit. Comment un démon, le corps là appartient à Jésus, un démon va venir coucher avec toi. Un démon unique va venir coucher sur le Saint-Esprit. Un démon va te violenter. Le Saint-Esprit est en toi. Non. Vous n'allez pas me faire croire autre chose. C'est lui qui vous dit que c'est un pasteur menteur. Quand je dis ça, je suis énervé. Hein. Dieu en vous, un petit démon va venir coucher avec vous. Voici ma femme. Un jeune qui vient pour toucher ma femme, là. Regarde-moi, man. Je vais te karater. Tac, tac, tac. Comment? Tu vas toucher ma femme? Ma femme, à moi? Nous sommes la femme, l'époux de qui? Christ. Christ va laisser son épouse. Un démon va venir maltraiter son épouse. Et il est arrêté, il regarde ça et il est content. Et vous dites oui, que... arrêtez d'être incrédule. Hein? Arrêtez ça maintenant. Aujourd'hui, prenez la décision. Je vais commencer à croire que Dieu est en moi. Il n'y a aucun démon. Croyez! Croyez, frère. Non. Ne me faites pas croire. Les gens aiment prêcher. Quand les prédicateurs à la radio, à la télévision, je ris. Je dis, mais il est en train de tromper les gens. Il n'a pas la victoire, il est en train de tromper les gens lui-même. Ce qu'il dit là, c'est faux. Il n'a jamais expérimenté ça. Et puis, il raconte des histoires. Quand j'ai fini de prêcher, 3h, 4h, ici je vous prêche 1h et demie. Ça, ce sont toujours mes introductions. Moi, je prêche 3h, 4h. Vous voulez que moi, je vous prêche 1h et demie avec le ministère? Ça ne va pas, je suis frustré. Au moment où le Saint-Esprit commence à travailler en moi pour commencer le ministère, j'ai fini. Mais oui. D'abord, je vous parle pour établir vos cœurs, pour que le Saint-Esprit soit d'accord. Maintenant, je dois faire le ministère. Le ministère, c'est le Saint-Esprit qui travaille à travers moi. En ce temps, j'ai 1h20. Et puis, ce technicien-là, il me montre qu'il me reste 5 minutes, 10 minutes. Si tu me montres ça encore, tu as chaud. 5 minutes, 10 minutes.
Vous partez courir chez vos amis 3 heures, 4 heures, des choses bizarres. Vous regardez la télévision 4 heures, 5 heures. On vient vous donner la vie éternelle 1h20. Et vous dites, quoi. C'est parce que vous n'avez pas de bus. Si vous n'avez pas de bus, marchez. Abraham marchait, non? Les Juifs ont marché, marchez, allez chez vous. Arrivez à 2 heures du matin avec la vie éternelle. Soyez contents. Oh. Vous voulez presser les gens à vous dire n'importe quoi. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, frères et sœurs. C'est important. Donc, vous voyez, Galates 2:20 nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été mon vieil homme. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la croix a deux faces. La première face de la croix, c'est le pardon des péchés. Je peux me permettre... La première phase de la croix, c'est donc le pardon des péchés. Et tout le monde croit à ça. Tout le monde croit à ça. Quand je suis là, je vois la croix ici, tous mes péchés sont pris. Mes péchés sont enlevés, le sang de Christ me lave. Ça, c'est le premier aspect de la croix. Mais pourquoi, après avoir reçu le pardon des péchés, la rémission des péchés, pourquoi tu continues à pécher comme avant? Parce que tu n'as pas vu le deuxième aspect de la croix. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Il a, votre vieil homme a été crucifié. Jésus a été crucifié comme ça. Vous êtes crucifié comme ça. Votre vieil homme a été crucifié avec Christ. Il a résolu le problème de vos péchés. Il a résolu le problème de la source du péché. Et on a pris Jésus et votre vieil homme, on les a ensevelis ensemble. Ils sont enterrés. Quand Jésus est sorti, vous êtes sorti de nouveau de vie. Donc votre vieil homme est resté à la croix et au tombeau. Vous êtes sorti en nouveauté de vie. Alors comment pouvez-vous, maintenant une nouvelle création, comment pouvez-vous continuer à vivre dans les péchés d'ici? Si vous n'avez cru qu'au pardon des péchés, vous allez vivre dans les péchés parce que le vieux homme est toujours vivant. Le vieux homme est mort avec le mensonge, il est mort avec l'alcool, il est mort avec l'adultère, il est mort, il a été crucifié. Il a été crucifié avec Christ. C'est pourquoi il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce sont des faits. Je ne te demande pas. Si tu crois, c'est des faits. Si tu crois, tu crois. Si tu ne crois pas, ça s'est passé. C'est des faits. C'est des faits divins. C'est pourquoi un alcoolique, dès qu'il croit ça, le lendemain il se lève. Si tu donnes de la bière ou quelque chose, de l'alcool, s'il boit, il est malade. Quelque chose s'est passé en lui. Quelque chose de profond s'est passé en lui. Un criminel, le lendemain matin, il est propre. Propre, entièrement propre. Tu lui dis, il ne sait pas. Pourquoi? Son vieil homme criminel a été crucifié. On n'a pas pardonné ses péchés. Son vieil homme a été crucifié avec Christ. Il a été enseveli. Il est ressuscité en nouveauté de vie. Maintenant, il n'a plus envie de tuer les gens. Parce que la vie qui est en lui est une vie de pureté, de vie et non pas de meurtre. C'est ça l'effet divin. Ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ton pouvoir. Le fait d'avoir reçu, c'est ça qui s'est passé. Mais si on ne t'explique pas ça là, dès le départ de ta vie chrétienne, comment tu vas savoir? Tu vas continuer à lutter avec tes péchés. Tu vas continuer à lutter avec eux. Comprenez, frères et sœurs? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en moi. Puisque mon vieil homme est parti, Christ vit en moi, le nouvel homme qui est en moi s'appelle l'homme intérieur. Et Christ est dans cet homme intérieur-là. Lui et moi, nous sommes un maintenant. Et c'est nous qui affrontons chaque situation ensemble. C'est pourquoi on dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça, c'est de l'Ancien Testament. Mais Dieu en nous fait des exploits. Ce n'est pas des slogans. C'est pourquoi Paul a dit, mais
Il dit le mystère caché de tout temps, révélé maintenant. Et la glorieuse richesse de ce mystère-là, c'est Christ en nous, l'espérant de la gloire. L'espérant de la gloire. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 3, il dit, mais si le Seigneur Saint-Esprit est en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous transformer de gloire en gloire à l'image de Christ. C'est le Saint-Esprit qui transforme de gloire en gloire. Comment? On va le voir tout à l'heure là. On va terminer d'abord avec les faits divins. Les faits divins. Et ce Dieu-là a mis, il est dit dans 2 Pierre 1, 3, 4, il dit par sa vertu, il nous a rendu donné d'être puissant. Mais il dit maintenant, il nous a donné d'être participants de la nature divine. Nous avons reçu la nature divine en nous. Qu'est-ce que la nature divine? Il y a plusieurs aspects de la nature divine. D'abord, Dieu est esprit. Donc, je suis devenu esprit. Deuxième élément de la nature divine, Dieu est amour. Le Saint-Esprit a répandu en moi dès qu'il est rentré. Dès que le Saint-Esprit est rentré en moi, il est rentré avec la nature divine qu'on appelle l'amour. L'amour qui pardonne tout, qui croit tout, qui excuse tout. L'amour qui n'est pas jaloux. L'amour qui ne veut pas de mal à quelqu'un. Cet amour-là est en moi, il est répandu en moi. Cet amour est en moi. Ça, c'est le fait divin. Tu n'as pas besoin d'aller les chercher, tu n'as pas besoin de prier. C'est ce qui s'est passé quand tu as reçu Christ. C'est ça qui s'est passé. Pas besoin d'aller chercher. C'est ce que Dieu a fait. L'amour de Dieu a été répandu. On n'a pas dit, va demander l'amour. Tu vas le demander où? À qui? Qui a cet amour-là? Quel pasteur a ça? Mensonge comme ça, là. Quel pasteur peut avoir cet amour-là, si ce n'est pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a répandu l'amour. Romains 5, 5. Répandu l'amour en vous. Alors, j'ai le Saint-Esprit. Et Dieu me dit maintenant, mon fils, le Saint-Esprit travaille avec une épée. L'arme du Saint-Esprit, ça s'appelle la parole. Éphésiens 6, quand tu lis ça, tu trouveras Éphésiens 6. À partir du 12, tu trouveras ça. La parole est l'épée du Saint-Esprit. Si tu enlèves aux militaires l'arme, si tu enlèves aux policiers l'arme, aux gendarmes l'arme, il devient un simple civil. Si tu enlèves au Saint-Esprit la parole de Dieu, il devient inefficace pour toi. Il est puissant pour lui-même, mais pour toi, il n'est pas efficace. Donc, le Saint-Esprit travaille en toi par la parole. C'est pourquoi on dit la parole est vivante, puissante, efficace, tranchante comme une épée entre les mains de qui? Entre les mains du Saint-Esprit. Regarde le psaume 119. 119, verset 130. 119, verset 130. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Concernant la parole. Je veux que tu notes ces choses-là. Tu vas les réfuser. Et psaume 119. La révélation de tes paroles est claire. On n'a pas dit la compréhension. La révélation. La révélation, ça veut dire quoi? Quelque chose qui était caché. Maintenant, on a enlevé et tu découvres. Ce n'est pas en écoutant la parole qui vous donne la chose. Non. Quand je vous regarde parfois, vous plissez les yeux, les sourcils, tout ça là. Je vois que vous voulez faire. Ce n'est pas mathématique, on ne peut pas comprendre ça avec ici. Ce n'est pas en mâchant les lèvres que tu vas comprendre. On dit la révélation des paroles est claire, elle donne l'intelligence au simple. Tout ça sont des faits divins. La révélation vient par le Saint-Esprit. Quand elle est venue, tu es assis et dis, ah bon? Moi, je suis une nouvelle créature. Le Saint-Esprit dit oui. Comment? Il dit, mais tu as reçu Christ ou non? Oui. Tu as reçu Jésus? Oui. Tu es une nouvelle création. Ton esprit est devenu maintenant un esprit nouveau. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Ah bon, moi? Oui, oui. Mais quand toi, tu regardes ton visage. Tu regardes ton esprit. Ton esprit qui est devenu nouveau, ce n'est pas toi. Quand on dit que quelqu'un est devenu une nouvelle création, on n'a pas dit toi. Si tu es maigre comme I majuscule, tu restes maigre comme I majuscule. Ah non, c'est pas ton corps qui a changé, ton esprit, puisque Dieu est esprit, tu es à l'image de Dieu. On parle de ton esprit, on ne parle pas de ton corps ni de ton âme. L'âme est restaurée. La restauration de l'âme se fait dans un processus. Mais l'esprit est né instantanément. Et quand il commence à prendre la première place, il va aider l'âme à se restaurer et le corps à être discipliné. Donc,
La révélation de tes paroles m'éclaire, donne l'intelligence au simple. Ensuite, acte 16. Regardons quelque chose, vous allez comprendre. Acte 16. Paul et Silas sont arrivés dans une ville là. Et ils sont allés, ils cherchaient un endroit où on prie. Acte 16, versets 13 et 14. Ils sont arrivés à Philippe. Il est dit, les jours du sabbat, Paul et Silas donc sont allés, nous nous rendîmes hors de la ville vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Quand Paul et Silas arrivaient quelque part, ils ne cherchaient pas le McDo du coin. Je ne sais pas où se trouve le restaurant le plus populaire. C'est d'abord un lieu de prière. C'est la première chose que le chrétien doit chercher. Ah, on est arrivé maintenant en Grèce, hein? On va aller voir les pyramides de quoi? Pour faire quoi? Tu vas aller voir ça, ça va te donner quoi? Tu vas chercher, tu vas aller regarder des murs qui sont tombés. On te dit que ces murs-là, c'est au temps d'Hannibal. Hannibal a fait quoi. Nebuchadnezzar a fait ça. L'autre a fait ça. Nebuchadnezzar est où? Hannibal est où? C'est toi qui es là. Cherche un endroit où on prie. Paul et Silas sont arrivés. Ils ont cherché un lieu où on prie. Un lieu de prière. Et nous pensions qu'il y avait un lieu de prière là. Ils sont allés. Mais regardez comment Dieu va faire. Le Saint-Esprit les conduit. Demain, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit, comment Paul a appris à être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas automatique. Plusieurs fois, le Saint-Esprit a dit à Paul, arrête, ne va pas ici. Arrête, ne va pas là. Mais quand il vous dit à vous de ne pas aller, vous allez. On vous mène tous les jours. Quand vous sortez tout de suite, là, vous voyez les feux rouges. Feux rouges vous dit, le gouvernement français vous dit, n'avancez pas, il y a un danger. Vous avancez, vous avez un crash. Et vous dites que le gouvernement... Des histoires. Même le monde vous montre qu'il ne faut pas avancer. Ils sont arrivés là. Et quand ils arrivent dans l'endroit, le verset 14 nous dit, il dit que quand ils sont arrivés là, l'une d'elles, ils ont trouvé des femmes nommées Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. C'est-à-dire qu'elle craint Dieu, elle n'est pas chrétienne. Elle craint Dieu. Mon papa n'était pas chrétien, t'es un bon musulman, il craignait Dieu. Mon papa, quand tu veux critiquer quelqu'un devant lui, il était musulman, hein, tu crois, il dit, l'autre l'a dit comme ça, il dit, ça fourre là, intara. Il se lève, il est vieux, il est pauvre comme ça, un caleçon, il fait comme ça, et puis il est parti. Il s'en va t'asseoir, il dit, tu vas venir me gâter le type là. Oh, les chrétiens beaucoup aiment ça. Quand on dit, tu as entendu? Ils boivent les choses, ils s'empoisonnent. Quand ils voient la soeur là demain maintenant, ils ont une mauvaise idée, alors tout est faux. Tu peux avoir une mauvaise idée sur une sœur qui t'a rien fait et tu vas vivre. Dieu va te donner le Saint-Esprit. Mais parfois, vous faites des choses, je ne vous comprends pas. Soyez un peu intelligent. Cette femme t'a rien fait. Quelqu'un vient de mentir parce qu'elle n'aime pas la femme là. Elle vient mentir. Toi, tu crois ça. Demain, tu la vois seulement. Mais le Saint-Esprit est attristé en toi, mes sœurs. C'est ça. Il y a une femme qui est dans l'église de Kenneth Hagin. Kenneth Copeland. Elle aime le pasteur. On n'a pas de ne pas aimer le pasteur. Mais tu ne peux pas la voir. Elle est déjà mariée. Son mari, sa femme est là. Sa femme est là. Mais elle veut le pasteur là. Elle est arrivée à prendre un groupe de femmes de l'église de Kenneth Copeland. Elle dit que Dieu lui a dit que le pasteur est son mari. Donc, la femme doit quoi? Mourir. Ce n'est pas le mensonge. Hein? Commencez à jeûner, prier. Allez acheter une robe de mariée. Proclamer. C'est ça, vous aimez ça, proclamer. Kenneth Copeland est mon mari. Kenneth Copeland est mon mari. Tu n'as qu'à dire ça 1000 fois, il ne sera pas ton mari. Le pasteur est déjà marié, tu veux prendre sa femme. Ça, c'est grave. Si moi j'entends ça, je t'enterre directement. Le type est marié, il a sa femme. Tu veux prendre sa femme pour aller où? Tu as plein de jeunes gens dans la maison. Va prendre un jeune homme. Il a eu sa femme. Sa femme l'a eu. Laisse-le bénir sa femme et son mari.
Les femmes de pasteur, il faut avoir des fouets. Quand quelqu'un sort de son mari, c'est moi qui vous ai dit ça. C'est moi qui vous dis ça. Fouettez. Comment? Il y a les hommes dans la dans son, hein? Tu veux prendre mon mari pour aller où? Pas jouer avec ça, hein? Pas le diable. Non, écoute, le diable, il aime ça. Le diable aime mettre les femmes de l'église sur leur pasteur. Le diable aime ça. Dans toutes les églises, c'est comme ça, hein? J'aime mettre ça. Ce n'est pas leur faute. C'est le diable qui fait ça. Comprenez? Mais elle a fait tout ça là. Elle n'a pas pu. La femme de Kennedy Hagen n'est pas morte. Kennedy Hagen n'est pas mort. Elle n'a jamais pu marier Kennedy Hagen. C'est elle qui a souffert inutilement. Avant qu'elle se rende compte. Parce que la proclamation là, ce n'est pas pour n'importe quoi. Ah oui, je proclame que maintenant, tout l'argent de la Banque de France va être vidé dans mon compte. Si tu fais ça, tu es un voleur. L'argent de la Banque de France ne vient pas dans ton compte. Je proclame, j'ai la foi, alléluia. Non, mon frère, ne te perds pas ton temps, ça ne se passera pas. Il faut arrêter ces choses, vous proclamez au hasard, on proclame ce qui t'appartient. On ne proclame pas ce qui ne t'appartient pas. On ne proclame pas ce qui ne t'appartient pas. Non, mon frère. Vous voyez bien, il est dit, cette femme-là, elle craignait Dieu et elle écoutait. C'est ça qu'on dit. Elle craignait Dieu. Déjà dans son cœur, elle craignait Dieu. Elle n'aimait pas faire de mauvaises choses. Et quand elle a vu ces hommes de Dieu venir, elle a commencé à écouter. Parce que la foi vient de ce qu'on... Et ce qu'on entend vient, c'est ça. Il faut écouter. Elle écoutait. Elle n'est pas chrétienne, mais elle craint Dieu. Elle honore Dieu. Et des hommes de Dieu sont venus, elle écoute. Première qualité de la femme, lead là, elle écoute. Et comme elle écoute maintenant, le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est ça qu'on appelle la révélation. Parce qu'elle était concentré sur ce que Paul disait, et à un moment donné, le Seigneur lui ouvre le cœur. Ah, elle comprend, elle dit, mais c'est ce Dieu-là que je voulais depuis longtemps, c'est ce Dieu que je voulais. Et pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul, quand on vous prêche, je suis en train de vous prêcher la parole de foi, mais la parole de foi ne peut rien produire si vous ne l'écoutez pas. Si vous discutez avec moi, si vous prenez de ce que les gens ont dit pour discuter avec moi, vaut mieux sortir, aller vous asseoir à la maison, parce que rien ne se passera pour vous. C'est comme ça. Jésus est parti à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Il a voulu parler, on dit, hey, gars, arrête-toi. Ta mère s'appelle Marie. Tes frères s'appellent un tel. Tant, on t'a vu grandir ici. Toi, tu es fille de Dieu, nous sommes cousins de qui? Le fils de Dieu, nous sommes cousins de qui? J'ai dit, non. Il était étonné parce qu'il ne put faire aucun miracle là. Pas personne n'acceptait sa parole. Ce n'est pas automatique en devenant chrétien que tous. Non. Ce sont ceux qui écoutent, ceux qui reçoivent. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, tu l'as reçu, tu mets ça. Et Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Plus tard, elle va mourir. Elle va revenir à la vie. Vous comprenez? Ça, c'est les choses. Donc, le Saint-Esprit utilise tout le temps la parole. Toujours, pas autre chose. Le Saint-Esprit n'utilise pas les sentiments. Il n'utilise pas les pensées. Il utilise la parole. Mais on va le voir demain, après-demain. Bon, la direction divine, les pensées auront leur part. Mais dans un premier temps, c'est la parole. La parole. Acte 17, verset 11. Acte 17, après acte 16, acte 17, verset 11. Là-bas, il est écrit que... Quand il est arrivé à Béré, quand Paul est arrivé à Béré, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup de quoi? D'empressement. Ouais. À Thessalonique, quand Paul a voulu prêcher, et ensuite à Athènes, quand il a voulu prêcher, quand il a parlé de résurrection, les gens l'ont chassé. Ils ont dit à Paul, il faut aller, on ne comprend pas, on ne veut pas ça. Mais à Béré, les gens sont assis, ils ont pris leur Ancien Testament,
Et Paul a commencé à montrer que le Jésus de l'Ancien Testament, il n'y a pas de nom Jésus. Mais celui qu'on appelle Ésaïe 7 là, Emmanuel là, la Vierge enfantera là, il s'appelle Jésus. Les Bérés ont dit, ah bon? Ah, il dit non, c'est pas fini. Acte 9. Dieu puissant, conseiller, prince de la paix. Il a dit ça. Ils ont dit, ah, on dirait que le type l'a dit la vérité. Il dit non, ah, c'est pas fini. Acte 11. Les sept esprits, les sept notions de l'esprit, l'esprit de conseil, tout viendra sur lui. Il a vérifié avec Jésus. Ils ont dit, ah, ok. Il dit, c'est pas fini, attendez. Ésaïe 61, le Saint-Esprit viendra sur lui. Ésaïe 53, voilà comment il va mourir à la croix du calvaire. Et voici comment il est mort à la croix du calvaire. Les Bérés ont dit, ah bon? Mais donc, ce qu'il dit ici, là, donc c'est Jésus le Messie. Il dit, attendez, Ésaïe 61, l'Esprit est sur moi. Il a montré tout. Les Béréens ont reçu, c'est ceux qui reçoivent la parole, comme je vous ai dit au départ. Ceux qui reçoivent la parole là, ce sont eux qui sont libérés. Ce n'est pas ceux qui viennent simplement s'asseoir et commencer à discuter dans leur pensée avec le pasteur. Ils ont reçu avec empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures. Est-ce que tu examines les Écritures chaque jour? Est-ce que tu ouvres ta Bible chaque jour pour lire, pour regarder, pour examiner ce qu'on te dit chaque jour, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les gens aiment discuter sans savoir ce qu'on leur a dit. Il y a des gens qui viennent me voir, disent, pasteur, je vais prier pour moi. Je vous dis, il y a tel pasteur qui a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Tel autre pasteur a prié pour moi, je n'ai pas été guéri. Je ne serai pas le troisième pasteur que tu vas mettre sur ta liste. Jamais. Il faut aller ailleurs. Pas moi. Je ne prie pas. Si déjà tu dis que tel pasteur a prié, si tu crois que c'est les pasteurs qui guérissent les gens, ne mets pas sur ta liste. Jésus a pris nos maladies. Ce n'est pas le pasteur Karamblé qui a pris tes maladies. Il dit c'est par ses meurtres que nous sommes guéris. C'est sur ça. Ce n'est pas le pasteur Karamblé qui guérit quelqu'un. Ne vous faites pas adorer pasteur comme des guérisseurs. Vous n'en êtes pas. Présentez Jésus le sauveur. Quand vous avez fini, présentez-le maintenant comme le divin médecin. Ceux qui l'ont reçu comme sauveur doivent le recevoir comme le divin médecin. Dites-leur de venir recevoir maintenant leur guérison par le divin médecin. Et maintenant, posez les mains. Ça, c'est l'acte. Ça, c'est ce qu'on appelle le point de contact. Posez les mains sur eux. S'ils ont reçu que Jésus est le divin médecin, vous posez l'acte. Ça veut dire que vous posez un point de contact. En ce moment-là, le Saint-Esprit se transfère. La puissance de guérison vient en eux. Mais s'ils ne croient pas à ça, ils croient que c'est toi. Tu as beau prier, rien ne se passe. Parce qu'ils ne vont pas honorer Dieu. Les gens sont fâchés. Maintenant, le pasteur n'a pas prié pour moi. Je ne prierai pas parce que tu ne seras pas guéri. Ce n'est pas moi qui guéris les gens. Si je guérissais les gens, j'allais vider tous les hôpitaux de Paris. Les gens ne comprennent pas. Tu dois recevoir. C'est Jésus qui guérit. La femme était assise, elle a écouté. Les Bérés étaient assis, ils ont écouté. Ils ont reçu. Et en ce moment, le Saint-Esprit agit. Ah, les gens disent, ah, telle personne a tel don. Il a tel don. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12 que le Saint-Esprit manifeste ses dons comme il veut. Il produit le vouloir et le faire comme il veut. Voici une femme qui vient d'arriver, une prostituée dans l'église, une prostituée. Elle est malade, elle a un cancer. On pose les mains, elle est guérie. Voici une femme qui a 20 ans dans l'église. Elle ne croit pas, elle est là, elle dit que, bon, Dieu doit me guérir parce que tout le monde sait ici que c'est moi qui ai acheté les ventilateurs de l'église, c'est moi qui ai acheté les tapis de l'église. Dieu dit, bon, tu viens à la maison, il n'y a pas de tapis là-bas, tu montes à la maison. Et l'autre là, on dit, mais pourquoi la prostituée, elle était guérie? Elle était guérie parce qu'elle a cru Jésus. Toi, tu te bases sur tes œuvres. Tu te bases sur tes œuvres. Si on se base sur les œuvres là, personne, vous ne serez pas ici. Si on se base sur les œuvres, les Parisiens là, ils vont vous vider, vous mettre au dehors. Les riches vont venir s'asseoir ici, prendre tous ces plats, vous pouvez rentrer ici. Là, c'est vos 1 000 euros là qui vont faire les choses ici. Les gens vont venir déposer ici 3 millions d'euros. Et puis vous êtes où? Vous n'êtes même pas portier, vous serez là-bas au parking en train de garder les voitures de ces gens-là. Ce n'est pas ça. C'est un cadeau. Dieu vous donne un cadeau. Il n'a pas besoin de votre argent. Il dit, reçois mon fils. Il est sauveur, il est le sanctificateur, il est le délivreur, il est en même temps le médecin guérisseur. Reçois-le comme médecin. Quand tu veux aller et faire des bijoux, tu vas chez le quoi? Le bijoutier. Tu le reçois, le bijoutier. Tu donnes des bijoux, tu portes, c'est bien. Quand tu veux aller
mon frère, tu as des problèmes de dents. Tu ne vas pas chez le forgeron. Tu vas chez qui? Chez le dentiste. Et tu reçois le dentiste et tu donnes de nouvelles dents. C'est ça. Chaque personne dont tu as besoin, tu vas là-bas. Quand toi, tu as besoin de Jésus, tu vas... Non, écoutez, frère, il faut apprendre à faire les choses textuellement, comme vous voulez. Tu as reçu Jésus comme sauveur, tu n'as jamais été malade, tu ne comprends pas. Maintenant, tu es malade. Hey, assois-toi, il dit, bon, je t'ai expérimenté comme sauveur de mon âme. Tu as guéri mon âme. Maintenant, j'ai besoin de guérir mon corps. Je te reçois dans ta chambre, là, je te reçois comme le médecin guérisseur de mon corps. De même que tu as... Vous ne comprenez pas. De même que tu as guéri mon âme là, tu guéris mon corps maintenant. Père, merci, parce que Jésus a porté mes maladies, je te reçois et je te rends grâce. On n'a pas dit automatiquement les symptômes vont disparaître, mais tu as déjà guéri. C'est ça qu'il faut faire. Un chrétien, c'est à la maison ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait, frère. Alors, quand nous comprenons ces choses-là, vous voyez bien, ça c'est l'effet divin. Rapidement, maintenant il me reste quelques 15 minutes, 20 minutes. Ta part humaine. Maintenant, on a vu les faits divins. Tout ce que je vous ai dit là, c'est ce que Dieu a fait. Dieu te demande seulement de croire. Crois ça. Maintenant, quelle est la part? La part que toi, tu dois faire. La part. Ta part. Là aussi, je reviens. Première chose, on a vu hier, Romains 8, 1 et 2. Tu dois te livrer comme un sacrifice vivant. T'es livré. T'es livré, ça veut dire quoi? Les gens disent comment? C'est livré, c'est livré. C'est livré, c'est ouvrir ta bouche pour dire à Dieu. Pour dire à Dieu, je ne savais pas que tu m'avais racheté. Maintenant, je me rends compte que tu m'as racheté. Je t'appartiens. Je me livre à toi comme un sacrifice vivant. Il faut le dire. C'est ce que la Bible dit là. Dis ça simplement. Ne te demande pas de dire autre chose. Il dit, livrez-vous à Dieu comme un sacrifice. Dis, prends ça, mets le jeu là-dedans. On dit, livrez-vous. C'est un ordre, c'est l'impératif. Je me livre. C'est ça que tu dois dire. Dans ta maison, là où tu es, je me livre comme un sacrifice vivant, Seigneur. Tu m'as demandé, que tu as dit que tu m'as racheté. Je suis d'accord. Maintenant, moi, je me livre. Je me livre à toi comme un sacrifice vivant. C'est agréable à toi. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais tu m'as dit, livre-toi. Je me livre à toi. Laisse Dieu. Il te dira pas pourquoi il te dit ça. Livre-toi toi-même. Et il me dit maintenant, désormais, ne te conforme plus, le verset 2. Ne te conforme plus à ce monde-là. C'est-à-dire, ne prends pas les mesures de ce monde-là pour mesurer ta vie. N'évalue pas ta vie avec les maîtres, les leaders de ce monde-là. Non, ne fais plus ça. Utilise les instruments de Dieu. Dieu a des instruments de mesure. Le monde a des instruments de mesure, le litre, le mètre et tout. Dieu aussi a des instruments de mesure. Prends ces instruments de mesure-là et évalue ta vie avec ça. Et tu vas voir, tu vas comprendre quelque chose. Tu vas comprendre le vouloir et le faire de Dieu. Et tu vas comprendre la volonté de Dieu dans ta vie. Deuxième chose. Donc, vraiment, Romains 8, 1, Romains 8, 2. Deuxième chose, Jean et Jude 20. Et Jude 20, verset 21. Bon, il y avait le psaume 32, mais on va aller vite. Jude 20, verset 21. Quand je commence à me livrer, Dieu me dit maintenant, Jude 20, 21, il dit, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, par la prière en esprit. Voici un secret que la plupart d'entre vous, vous négligez. Le Saint-Esprit ne parle pas, sa langue, ce n'est pas le français, ni le lingala. Hein? Bolingo, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit a un langage. Le jour qu'il est venu, il a trouvé des juifs qui étaient là, oui ou non? Il leur a fait parler l'hébreu. Ils ont parlé quelle langue? La langue de qui? Les jours de la Pentecôte, ils ont parlé quelle langue? C'est un hébreu? Ils ont parlé la langue de qui? Il leur a donné sa propre langue, oui ou non? La langue du Saint-Esprit. Pourquoi? On le verra les jours qui viennent. Parce que c'est la langue qu'ils utilisent entre les trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils utilisent ça. C'est leur langue. Et Satan ne le comprend pas. Ça l'énerve. C'est pourquoi il dit, pour toi, ton parler en langue là, c'est pas vrai, c'est faux. Pour toi, là, c'est faux. Et toi, tu dis, ah oui, c'est vrai. Hein? Regarde pour ta soeur là, ça c'est bien, mais pour toi là, c'est onomatopée. Regarde ce que tu dis. Après, tu dis, une femme comme toi, tu peux parler bien. Regarde quand tu parles là. Et puis tu te décourages, tu t'assois. Regarde pour toi là, qu'est-ce que toi dis?
Hein? Coca-Cola, Coca-Cola. Il dit, il vous crée, c'est-à-dire que vous êtes sensible plus à Satan qu'à Dieu. Tout ce qui est négatif, là, vous êtes sensible. Mais ce qui est positif, là, vous n'êtes pas sensible. Il vous raconte des histoires. Il dit, non, ce n'est pas vrai. Et puis, quand même, si tu dis quelque chose, tu dois comprendre. Un homme normal comprend. Mais tu es en train de parler à Dieu. On dit, tu ne parles à personne. Tu ne parles pas à Satan, ni à ta femme, ni à ton mari. Tu ne parles pas à un démon. Tu parles à Dieu. Parle, continue à parler. Ton esprit parle à Dieu. Puis ta tête ne comprend pas. Ce n'est pas ta tête. Ton esprit parle à Dieu. Jude 20, 21 te dit, il dit, édifie-toi sur ta très sainte foi en priant en langue régulièrement. En priant en langue, j'arrive, je m'arrête devant mon miroir. Oh, cet homme qui est là, cet homme Karambi Mamadou, je m'appelle Mamadou Karambi. Tu vois, écoute-moi très bien. Le miroir est là. Écoute-moi, hein. Moi, je suis l'habitation de Dieu en esprit. Tu comprends? Dieu habite en moi. Le grand Dieu du ciel là habite en moi. Il a dit que partout où je vais aller, il va m'accompagner. Tu as entendu? Je vais aller prêcher ce matin-là, dans telle église. Le Saint-Esprit est en moi. Tu as compris? Écoute-moi encore. Je te dis, écoute-moi. Il a dit qu'il va manifester ses dons à travers moi. Tu entends? Tu m'entends? Tu m'entends? C'est à toi que je parle. Oui, oui, c'est toi. C'est toi. Tu m'entends? Rota kabra hando skuri hambaba haida. Roto kobri, je parle à moi-même. C'est ça. Vous ne voulez pas croire à ça? Vous ne voulez pas croire? Vous ne voulez pas croire à ça? Vous voulez vous arrêter? Vous parlez en langue 1 minute, 2 minutes. Vous croyez que 1 minute, 2 minutes, c'est ça? C'est ça, mon ami? Lis la Bible. Le Romains 8, 14 dit que le Saint-Esprit, il commence à te conduire. Romains 8, 14, il dit quoi? Que ceux qui sont fils de Dieu, ils sont conduits. Quand tu parles en langue, quand tu as fini, tu as parlé en langue, 1 heure, 2 heures de temps, il commence à te conduire, il commence à te révéler des choses. Mon ami, si tu ne crois pas, commence à faire ça 1 mois. Tu vas commencer à écrire des choses que tu n'as jamais entendues, tu verras des choses se passer. Tu verras des choses se passer. C'est comme cela. Dans ta vie, hein? N'attends pas de grandes choses. Non, il va te dire aujourd'hui, ne sors pas. Tu dis, mais pourquoi je ne dois pas sortir? Tu as parlé en langue, il t'a parlé, reste tranquille. Tu comprends? Et il va commencer à se manifester. Mais fais attention à quelque chose. Fais attention à la parole de Dieu. Proverbe 4, note ça, on ne va pas le lire. Proverbe 4, verset 20 à 25. Proverbe 4, verset 20 à 25, il dit que ses paroles ne s'éloignent pas de tes yeux, mets-les devant toi tout le temps. Et que mets-les dans le fond de ton cœur. Fais attention. C'est la médecine pour quiconque le trouve. Ensuite, le psaume 119, verset 9. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en serrant ta parole dans son cœur? Il dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça, c'est le psaume 119, verset 9 à 11. Fais attention à ça. Et le psaume 32, rapidement, le psaume 32, si tu veux être conduit par le Saint-Esprit, peut-être on va voir ça demain. On va sauter peut-être, bon, laisse ça. Et psaume 32, on peut aller au milieu du verset, je vais te montrer, mais le reste, le psaume 32, c'est le psaume que j'ai écrit, le premier livre que j'ai écrit il y a 20 ans. Bon, j'ai laissé les chrétiens l'écrire, c'était sur la direction divine. Le psaume 32, il dit, bon, verset 8, c'est le psaume de la direction divine. Quand tu as fait le premier verset jusqu'au verset 7, regarde ce que Dieu te répond. Dieu dit, je t'instruirai, premier verbe, je t'instruirai. Deuxième verbe, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Troisième verbe, je te conseillerai. Quatrième verbe, j'aurai le regard sur toi. Voici les 4 versets de la direction divine. J'ai fait tout un séminaire sur ça, les 4 versets. Dieu va t'instruire par sa parole. Quand il a fini de t'instruire, il va commencer à te montrer la voie que tu dois suivre. C'est ça que Dieu dit. Pas besoin qu'un pasteur te dise ça. Le pasteur ne conduit pas quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Le Saint-Esprit, la prophétie ne conduit pas quelqu'un. La prophétie, on le verra. La prophétie fait quoi? Édifie, console et tout. La prophétie ne conduit jamais quelqu'un. Ne te laisse pas conduire par la prophétie. Hein?
Tu t'es marié sur la base d'une prophétie, je comprends pourquoi tu es là en train de courir tous les groupes de prière. On ne se marie pas sur la base de ça. La prophétie vient confirmer ce que tu as dans ton cœur. Ne confonds pas le prophète et la prophétie. C'est deux choses différentes. Le prophète est un ministère. Il n'a pas seulement le don de prophétie. Il a les quatre dons du prophète. C'est quoi? La parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, les signes et les miracles. S'il n'y a pas ça, il n'est pas un prophète. Le fait de consoler quelqu'un ne fait pas de fois un prophète. Tu peux prophétiser sans être prophète. Puisque la Bible dit, tous peuvent prophétiser. On n'a pas dit tous sont prophètes. Pourtant, on a dit tous ne sont pas prophètes. Vous laissez avoir par les gens, on dit qu'il est prophète. Quand il les regarde, lui, il est le prophète. Prophète d'où? Ah, hier, il m'a dit ça, c'est une parole de connaissance. Ce n'est pas une prophétie. Tu confonds les dons. Tu ne connais même pas les dons. Ah, mais hier, il m'a dit ça. Mais j'ai dit à plein de gens des choses. Ça s'est passé. Mais je ne suis pas prophète. Ça, c'est la parole de connaissance. La parole de sagesse. Ce n'est pas la prophétie. La prophétie fait, il y a trois verbes. 1 Corinthiens 14, 2, va trouver là-bas. Tu vas trouver les trois verbes là-bas. Tu confonds le prophète et le don de prophétie. Maintenant, il te dit ici, la direction divine, je t'instruirai, je te montrerai et la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. J'aurai le regard sur toi. Regarde maintenant. Quand il t'a instruit, tu as dit oui, je suis d'accord. Ce que tu me dis là, c'est vrai, j'accepte. Maintenant, il est content. Il dit, je vais te montrer la voie à suivre. Maintenant, il ne va jamais te montrer la voie à suivre si tu refuses sa parole. Personne. Tu veux voir quelqu'un, montre-moi la voie à suivre. Et ce qu'il te dit, si tu refuses, il va te dire, monsieur, allez chercher quelqu'un d'autre. Je t'instruirai. Un, quand il a fini, je te montrerai la voie à suivre. Quand c'est fini, quand tu marches sur la voie à suivre, il te conseille, te donne des conseils. Tourne à droite, va à gauche, arrête-toi, fais ça. Et quatrième chose, maintenant il a son regard sur toi dans tout ce qu'il fait. Il te dit les choses. C'est comme cela que Dieu m'a dit, construire une église de 3000 places en 3 mois. 3 mois, je l'ai fait, sans argent. L'argent est venu. On n'a pas besoin. Regarde comment il a conduit les gens dans la Bible. Regarde-les. Pourquoi vous ne voulez pas lire la Bible? Pourquoi vous vous précipitez uniquement? C'est pourquoi pendant des années, je n'ai pas voulu écrire des livres. Parce que je savais au commencement, là, n'était pas parfait. Si j'écrivais, j'allais tromper les gens. Dès que toi, tu es devenu un pasteur, tu écris un livre. Maintenant, dans 10 ans, la révélation que tu as contredit tout ce que tu as écrit. Maintenant, tu as peur d'écrire un nouveau livre pour qu'on ne dise pas que tu es menteur. Attends, ne te presse pas. À chaque année, j'ai une révélation approfondie qui ne contredit pas l'ancienne révélation, mais qui l'approfondit. Oui ou non? Je l'approfondis. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu m'arrêter ce soir, parce que hier, c'était comme si j'étais venu entrer avec une mitraillette, je vous ai mitraillette posée. Donc, ce soir-là, écoute-moi, il y a des choses où c'est la fermeté. Il ne faut pas jouer. Il ne faut pas venir s'arrêter. Faut pas qu'on vienne, je viens m'arrêter. Allez, frère, on va proclamer. Je sais que ça ne se passera pas. Je vais vous faire le plaisir, mais ça ne passera pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en haut, qui est le commandant. Au moment où je parle, il tourne sa tête, il regarde ailleurs. Il dit, bon, comme il croit qu'il est quelqu'un, il n'a qu'à faire, laissez-le faire. Je ne peux rien faire. Mais il faut obéir à celui qui t'a ordonné. Il faut obéir. Lis la Bible, les Daniel, tous ont obéi, un à un, les Rahab, ils ont obéi. Ils ont pratiqué, ils ont vu la chose. Il n'y a pas de court chemin pour le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu comprends? Ça, c'est important. Avant de faire des points de prière, je vais te montrer tout juste une image qui va t'aider à aller de l'avant. Je vais te montrer une image pour que tu comprennes. Mon frère, ma soeur, il faut que tu saisisses certaines choses, que tu comprennes certaines vérités. Narta, quelqu'un comprend ça? Je parle à quelqu'un. Narta. Voilà. Merci. On se comprend. À demi-mot, on se comprend.
Regarde attentivement. Où est ce caméraman? Où il est parti? Il est en repos? Il y a un seul caméraman qui est loin là-bas. Bon, mais là, ils vont voir. Bon, ok. Peut-être ça va leur permettre de voir. Regarde ici. Ici, ça, c'est ton esprit. Bon, je prends pour colorer. Certains ont des esprits colorés. Si tu aimes ça, les femmes, prenons. Ça, c'est l'esprit des femmes. Ça, c'est coloré. Ça, c'est l'esprit des hommes sans couleur. Tu m'as pas mis le tableau? Bon, ok. Ah, il est là. Très bien. Tu le places là. Voici, je vais te montrer une image que tu vas comprendre. Quand tu es né de nouveau, voilà, tu le mets là. Voilà. Il y a un truc pour l'écriture là, feutre là. Voilà, merci. Quand tu es né de nouveau, ton esprit est régénéré. Voilà ton esprit, il est régénéré. Esprit de femme, bon, prenons un seul. Un seul, pour qu'on ne fasse pas, il n'y a pas deux esprits, un esprit, un seul esprit. Ton esprit est régénéré. Et quand ton esprit est régénéré, alors, il va faire quoi? Il va être un seul, Dieu veut qu'il soit un seul avec le Saint-Esprit. Vous voyez, le Saint-Esprit, lui, il est là. C'est cette eau-là, c'est cette eau-là, c'est le Saint-Esprit, il est là. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, celui qui s'attache au Saint-Esprit est avec lui un seul esprit. Alors, Dieu, il dépose ton esprit dans le Saint-Esprit. Et dans un premier temps, ton esprit est là, mais comme il n'est pas obéissant, beaucoup, parce que ton âme et ton corps empêchent ton esprit de fonctionner. Dans un premier temps, ton esprit sera en contact, il sera en contact avec le Saint-Esprit. Et cet esprit qui est en contact avec le Saint-Esprit là, est où est le feutre? Ah, c'est là. Il a rencontré le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va faire de bonnes choses. Il va être utile aux gens. Il va. Vous voyez là, ici, ce tableau-là. Ça, c'est. Tu trouves un jour quelqu'un qui a des problèmes. Sa vie est complètement en difficulté. Sa vie est en difficulté. Mais comme tu es quelqu'un qui a été, du moins qui a touché le Saint-Esprit, tu as vécu dans le Saint-Esprit, alors tu commences à opérer avec les dons spirituels. Parce que, et par les dons spirituels, tu commences à agir. Et dans la vie de cet homme-là, il y a maladie. Quand tu imposes les mains, tu es en train de faire quoi? Tu vas commencer aïe, aïe, aïe. C'est pas automatique. Tu as pris quelque chose qui est plus dur. Mon ami, il fallait prendre. Oh, tu m'as fait, pas me faire échouer mon expérience. Bon, fallait prendre un cap plus. Ok, très bien. Mais ça veut dire que je peux utiliser ça et je vais nettoyer la vie des gens en imposant les mains, la maladie, toutes ces choses vont partir. Vous comprenez? Tout va partir. Mais ma propre vie, je reviens quand j'ai fini de prier pour les gens, quand je viens moi-même, j'ai des problèmes. Je dis, mais Seigneur, je suis allé hier, cette soeur était malade, quand j'ai prié seulement, elle a été guérie. J'ai eu telle chose, j'ai eu telle chose. Mais moi, ma propre vie, je suis misérable, je ne comprends pas, ma vie ne change pas. Tu comprends ce que je dis, non? Seigneur, je lutte, je ne comprends pas, je jeûne, je prie. Dieu me dit, ma fille, j'ai dit que les fleuves d'eau vont couler de toi. Mais est-ce que tu as laissé le fleuve d'eau couler? Oui, mais j'ai le Saint-Esprit. Oui, tu as le baptême du Saint-Esprit. Mais tu n'as pas été rempli dans la plénitude. Tu n'as pas été. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, laisse-toi plonger totalement. Et alors, je me laisse plonger. Voilà mon esprit là. Et je commence à tous les jours à parler en langue. Et j'obéis à la parole de Dieu. Je parle en langue. J'obéis à la parole de Dieu. Et en ce moment, mon esprit est en train de faire quoi? De s'imbiber. Pas de s'imprimer. Il va aller. Et le Saint-Esprit va faire quoi? Il est en train de descendre tout doucement. Bon, pour ne pas perdre du temps,
à un moment donné, vous voyez l'éponge là, quand elle sera remplie d'eau, elle va faire quoi? Elle va aller au fond, elle va aller au fond. Elle va aller au fond. En ce moment-là, vous voyez, tu peux approcher ça, et quand elle va au fond là, les bulles commencent à sortir, tout ce qui vient peut-être mettre sur ça directement, les bulles commencent à sortir, vous voyez les bulles là. Les bulles commencent à sortir. Les bulles commencent à sortir. Les bulles commencent à sortir. Parce qu'elle n'est pas remplie encore, oui ou non? C'est-à-dire qu'il y a tes propres pensées qui sont là, donc elle n'est pas remplie. Mais au fur et à mesure que je continue, elle sera remplie à un moment donné. Quand elle est remplie, alors qu'elle se passe, ma vie étant remplie, je ne m'occupe plus des dons spirituels seulement. Ce n'est pas pour guérir des malades. Ma propre vie est tellement remplie. L'amour, la joie, la paix, tout. Et en ce moment, quand je sors, je deviens utile à tout le monde. Regarde ce qui va sortir. La vie divine coule de moi. La vie divine commence à couler. La vie divine commence à couler. La vie divine commence à couler. Mais au début, mon frère, quand j'étais baptisé Saint-Esprit, regarde, si j'appuie, rien ne sort. Je suis en contact avec l'eau, avec le Saint-Esprit. Mais elle fait quoi? Elle ne fait qu'effacer les choses qui sont là. Parce que je n'ai pas laissé le Saint-Esprit m'imbiber. Il vient à l'église, je fais un bon message, les gens sont touchés, mais leurs vies ne sont pas changées. Leurs vies ne sont pas changées parce que je n'ai pas assez d'eau vive pour les abreuver. Je n'ai pas assez d'eau vive. J'ai quelques résultats. Je peux parler un jour, quelqu'un qui est assis là, ah, un démon s'en va. Je m'en vais, je suis content. Mais quand je m'arrive chez moi-même, il y a problème avec ma femme, il y a problème avec mes enfants, il y a tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je charge les démons, mais ma vie ne change pas. Dieu dit, c'est deux choses différentes. Les dons spirituels n'ont rien à voir avec la vie de l'esprit. Vivre la Christ en nous, c'est différent de chasser les démons. Judas a chassé les démons. Judas a guéri les malades. Il n'a pas de vie divine en lui. Ah, mais Seigneur, je ne savais pas. Oui, c'est comme ça. Laisse-toi. Tu appartiens au Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit. Prends Éphésiens 5. Prends les autres passages. Prie en langue. Prie en langue matin, midi, soir. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. En ce moment, ma vie sera imprégnée. Ma vie sera imprégnée. Et quand ma vie est imprégnée, en ce moment, je serai utile à tout le monde. Je suis utile à tout le monde. Quelqu'un vient, je n'ai pas besoin de parler longtemps, je regarde sa vie. Ce n'est pas les dons spirituels. Les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Mais ce qui est en moi ici, là, ça, c'est la vie de l'Esprit qui sort. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Ça, c'est moi. Moi, je suis tellement rempli d'amour que si quelqu'un vient, il est contre moi, l'amour sort. Quand il m'insulte, l'amour sort. L'amour sort. L'amour sort. L'amour sort. L'amour sort. L'amour n'est pas un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui commence ses dons. Mais le fruit de l'Esprit, c'est moi. Mon esprit régénéré. Compris, le Saint-Esprit est content. Il dit, enfin, tu as compris, tu peux manifester l'amour. Tu peux pardonner. Mais si c'est le don, c'est moi qui l'ai fait. Si c'est pour guérir les gens, c'est moi qui l'ai fait comme je veux. Mais pour pardonner, pour et bénir les gens, c'est toi qui l'ai fait. Alors, si toi tu le fais, moi je fais ma part, les deux ensemble seront contents. Voici vivre, comment vivre la réalité de Christ en nous. C'est ça, vivre la réalité de Christ en nous. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre théorie. Tu n'es pas rempli, comment tu vas donner? Tu vas donner quoi? Tu n'es pas rempli, tu vas donner quoi? Tu vas donner quoi aux gens? Pour aider quelqu'un, toi-même, tu restes un litre et demi pour aller à Marseille. Tu es encore à 300 kilomètres. Tu enlèves un litre de tu n'iras nulle part. Lui, il n'ira nulle part. Mais si la chose est pleine, tu peux aider quelqu'un. Dis, soyez remplis, Éphésiens. Soyez remplis du Saint-Esprit. Tout le temps, par des hymnes, des psaumes, des enseignes. Et prie en langue. Tu n'as pas besoin de sentir. Au moment où tu fais ça, tu es en train de faire le plein. Au moment où tu auras besoin, ça va sortir. Il y a des gens qui ne vont pas t'aimer, mais l'amour va sortir. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 44,
Matthieu 5, 44, il est dit quoi? Il est dit quoi? Aimez vos ennemis. Est-ce que quelqu'un peut sentimentaliser ses ennemis? Déjà, il t'a blessé, tu peux l'aimer? Alors, on te parle de quoi? On te parle de cet amour-là. On parle de ça. C'est ça qu'on parle. Tu as beau jeûner, rien ne sortira. L'amour sort de moi. Comment Jésus a fait pour aimer ses ennemis? L'amour sortait de lui. Comment Dieu a fait pour aimer ses ennemis? L'amour sortait de lui. On ne peut pas sentimentaliser ses ennemis. On dit aimer ses ennemis, ça veut dire quoi? Il y a trois sortes d'ennemis. Trois sortes d'ennemis. Ceux qui font quoi? Hein? Ceux qui vous maltraitent. Il dit, ceux qui vous maudissent d'abord. Il dit de faire quoi? De les bénir. La bénédiction est où? Éphésiens 1, 3. Il dit que Dieu nous a donné, il nous a béni. Ça. Donc, j'utilise la bénédiction pour le bénir, au lieu de le maudire. C'est ça. Deuxièmement, on dit de faire quoi? De faire du bien à ceux qui me font du mal, de leur faire du bien. C'est un acte, la bonté. La bonté est en moi, le fruit de l'esprit. Je le manifeste à celui qui me fait du mal. Ensuite, prier pour ceux qui me maltraitent, qui tout. Qui va prier pour quelqu'un qui t'a fait du mal, qui t'a trompé? Qui peut faire? Personne, ni toi, ni moi. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, l'amour qui est en moi, c'est pourquoi Jésus priait pour ses ennemis. Il priait pour ses ennemis. On n'a pas besoin. Et quand il priait, l'amour sortait et touchait ses ennemis. C'est de ça qu'on parle, mon ami. Ce n'est pas une chose qu'on va inventer. C'est en toi. Laisse-toi remplir chaque jour. Laisse-toi remplir, mon ami. Laisse-toi remplir. Quel est le pasteur qui va prier pour toi? Tu vas pardonner à quelqu'un. Lui-même, il ne pardonne pas. Le pasteur qui prie pour toi, il est déjà rempli de haine. Il va te communiquer sa haine? Ça, c'est des mensonges. Quel est le pasteur? C'est des actes de volonté. Ça, c'est un acte de volonté. L'amour est répandu en moi. L'amour, c'est quoi? C'est la joie, la paix, la bonté, la patience, tout ça. C'est ça, l'amour. Il est où? En moi. Il est dit en moi. Alors, frère, quand il y a ça, tu commences à comprendre la vie chrétienne. Tu dis, ah, mais Seigneur, pourquoi j'ai souffert tant, 5 ans, 10 ans de vie chrétienne, dépressive, dans la dépression, j'ai la haine. Mon mari me parle un peu, j'ai fait 3 jours. Comment une femme va faire 3 jours sans parler à son mari? L'homme qu'elle a choisi, 3 jours sans parler à son mari. Quelqu'un ne va pas, elle est malade. Elle est malade. 3 jours. 3 jours, tu ne parles pas à un homme. L'homme, dans le même lit, quand il lève le même... Tu es malade. Tu es malade. Comme le païen du village. Comme la païenne du village. Et tu as l'amour en toi. Tu n'as pas compris. On élève quelqu'un dans l'assemblée. Tu ne veux pas saluer la personne. Parce qu'on l'a élevé simplement. Tu es malade. Je suis ouvert, tout le monde doit travailler. Pourquoi je vais dans toutes les églises? Vous m'avez déjà vu? J'ai dit à mes gens, moi je ne suis pas du centre d'évangélisation. Hein? Moi j'ai fondé le centre d'évangélisation, mais je suis pas du centre, je suis du royaume des cieux. Je ne suis pas du centre d'évangélisation. Il ne faut pas que quelqu'un m'appelle centre d'évangélisation. Non, je suis dans le royaume des cieux. Dieu m'a dit créer le centre d'évangélisation pour travailler sur la terre. Il ne m'appelle jamais centre d'évangélisation. Jamais. Il n'y a pas centre d'évangélisation au ciel. Il n'y a pas d'ICC au ciel. Il n'y a pas assemblé Dieu au ciel. Il y a un seul royaume, le royaume des cieux. C'est ça que je fais. C'est pourquoi je m'en vais partout. Je m'en vais partout. Les gens m'acceptent. Partout où je m'en vais. Dans le Pas-de-Calais, en Bretagne, partout les catholiques. Des rassemblements de catholiques, les prêtres, les évêques, tout le monde. Quand je prêche, ils se mettent à genoux. Ils reçoivent Jésus. C'est pas, ils sont guéris. Pourquoi ils font ça? Parce que je prêche là, je ne parle pas de religion. Les gens sont changés. Les gens sont changés. Vous avez peur d'aller, on dit d'aller à l'église catholique, vous avez peur, vous avez peur, vous n'avez pas su de vous-même. Je ne parle pas prêcher Marie, il m'avait prêché Jésus. Et je leur parle. Non, ne te vante pas. Mais quand je leur parle de Marie, Marie est un exemple biblique. C'est la mère de Jésus, que tu veux, tu ne veux pas. Si tu la hais au ciel, tu vas avoir chaud. Elle est assise là-bas. Elle t'attend, mon nom. Tu n'as pas dit que tu es. Dès que tu chantes seulement, tu deviens extrémiste. On ne l'adore pas, on rien. Mais quand même, au ciel, elle est quelqu'un. Hein? La mère de Jésus, c'est ta tante, non? Non.
une femme est importante, on ne l'adore pas, mais dès que vous devenez protestant, seulement vous commencez à dire, ah Marie, mais c'est dans la Bible là. On dit, heureux celle qui a cru. Dieu a jeté son regard. Il a mis son regard sur elle. Si quelqu'un a exagéré, n'exagère pas, prends-la telle qu'elle est. Prends telle qu'elle est. Et va. Ça m'intéresse. Je ne suis pas étroit. Je refuse ça. Je refuse. Si Dieu m'a sorti de l'islam pour devenir chrétien, pourquoi je vais être étroit? Ah, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de ICC. Il n'est pas de centre d'évangélisation. Et après, toi, tu as la clé du royaume. Quand il dit, je vous donne les clés, la vraie clé, c'est avec lui. Quand il dit les clés, ça veut dire la manière d'opérer dans le royaume. Mais la clé qui ouvre, ferme, là, c'est lui. Il dit, moi, je ferme. Quand je ferme, personne ne peut. Est-ce qu'il a dit à toi? Il dit les clés. Attention, hein. Il n'a pas dit, t'as donné la clé pour fermer, ouvrir. Tu ne peux pas. Il dit les clés. Alors, lève-toi, tu vas prier en langue. Commence à prier en langue. Pose ton bic. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Non. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue, mon frère. Tiens-toi debout. Commence à prier en langue. Prie en langue. Avec force. C'est pas bébé là. Prie en langue. Korabakandra skori anda. Roto kobrika bababara kando skori de kebra handa. Rita kabrabakandro sukri bikimbra bakando skorinda. Rata kabraba kanduro suri ke kinde kru kuru skuri de in braba handa. Rata kebri kanduro suri kaba braba kanduro suri kada bahando skuri de. Roto kobri kanda braba skuri nda. Rata kimbro kuru skuri kim braba handa. Roto kobri kanda braba kanduro suri kada bri kanduro suri nda. Rete kebri kanduro suri kaba handa braba kanduro skuri nda. Rata ke brekandolo surika bahanda braba handu. Alléluia. Une minute. Mon frère, ma soeur, pour terminer ce soir, regarde bien, sans montrer la marque, regarde bien ce parfum qui est là. Il y a le très bon parfum dans ça. Mais tant que ça reste, Dieu t'a rempli de vie. Tu dis comment? La seule chose que tu dois faire deux choses. Premièrement, faire quoi? Ouvrir. Ouvre-toi et laisse couler. Deuxièmement, quand tu as ouvert, tu fais quoi? C'est Dieu qui appuie. Tu veux le parfum. Qui doit appuyer? Le Saint-Esprit doit appuyer. Le Saint-Esprit t'a rempli de quoi? De parfum. Tu es le parfum de qui? Dans 2 Corinthiens, il dit quoi? Partout où tu vas, tu répands l'odeur de qui? Tu répands l'odeur de qui en faisant quoi? Premièrement, en enlevant ça, ça veut dire que tu renonces au péché. Tout péché dans ta vie bloque ta vie. Ça empêche la vie de Dieu de partir. Tout péché dans ta vie, mon ami, tu as beau proclamer, rien ne se passera. Détourne-toi du péché. Enlève le péché. Deuxièmement, agis dans la foi. Maintenant, tu agis dans la foi. Seigneur, tu fais quoi? Tu es en train de faire quoi? Ça sort oui ou non? Parce que c'est rempli de quoi? C'est rempli de quoi? Mais s'il n'y a pas de parfum, j'ai beau appuyer, ça va sortir. Alors, c'est en train de partir où maintenant? Tu es en train de sentir, non? Alors, Dieu te dit, c'est ça la vie chrétienne. Tu dis, oh, mais on ne sait pas comment faire. Comment? Enlève d'abord le péché. Confesse ton péché. Deuxièmement, par la foi, appuie. Et tu sauras, quand tu appuies, le parfum va sortir. Dieu l'avait déjà rempli. Parle en langue encore. Parle en langue. Ah oui, c'est mieux. Parle en langue. Montrez. Parle en langue. Parle en langue.
Maintenant, mon frère, puisque tu crois cela, ce soir, si tu es décidé, au nom de Jésus, arrête-toi maintenant. Si ce soir tu es décidé, dans deux minutes on va terminer. Si ce soir tu es décidé de livrer ton corps réellement et ton âme et ton esprit à Dieu et tu veux totalement changer, maintenant tu veux le faire, réellement lève ta main devant le Seigneur. Lève ta main et dis avec moi ce soir, Seigneur, j'ai reçu la révélation que je suis le temple de Dieu. Ayant été racheté à un grand prix, et je t'appartiens, mon âme et mon corps, je décide ce soir, sans contrainte, librement, de livrer mon corps, mon âme et mon esprit à toi, afin que tu fasses ce que tu veux. Seigneur, ce soir, c'est une décision que je prends. Je n'ai pas peur. Satan veut me mentir. Je sais que tu fais tout le temps du bien. Je me livre à toi et je ne me conforme pas à ce monde. Le Saint-Esprit qui est en moi dirige ma vie, change ma vie. Remplis ma vie afin que des fleuves d'eau coulent de moi. Ce soir, j'ai reçu la révélation de la grâce de Dieu en moi. Merci Seigneur. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, tout esprit d'infirmité, esprit impur, de tourmente, de souillure, de honte, de rejet, de culpabilité. Je vous repousse au nom de Jésus. J'ai l'autorité, la puissance en moi pour vous chasser. Vous n'avez plus le droit de régner dans ma vie, car Christ règne dans ma vie. Le Saint-Esprit est désormais le Seigneur de ma vie. Tout esprit, toute maladie, écoute-moi ce soir. La Bible dit que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, a ressuscité Jésus d'entre les morts. S'il a pu ressusciter un mort, ce n'est pas ma maladie qui va me résister, qui va résister au Saint-Esprit. C'est pourquoi maladie dans mon corps, tumeur, diabète, hypertension, maladie chronique de tout genre, je vous réprime ce soir dans le nom de Christ Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Sortez de mon corps. Mon corps appartient à Jésus. Il ne peut pas être malade. Ce soir, je refuse. Vous qui êtes à la télévision, posez vos mains sur l'écran maintenant. Maintenant, je vais prier, ne priez plus. Mettez votre main sur le corps, là où vous êtes malade. À la télévision, sur Internet, partout. Dieu fait des miracles ce soir. Oh, Saint-Esprit de Dieu, ne priez plus, restez calme. J'ai parlé ce soir, leur corps est le temple du Saint-Esprit. Ceux qui sont devant moi, ceux qui sont à la télévision, Internet, partout là où ils sont, maintenant, j'envoie la parole de guérison. Puisque Jésus a guéri leur âme en devenant leur sauveur, ce soir, ce même Jésus a pris leurs infirmités. Toutes les maladies, les infirmités de tout genre, les démons ont été détruits, brisés. Ce soir, par la parole qui sort de ma bouche, je proclame, je déclare maintenant la guérison sur cette tumeur de côlon. Vous entendez, vous êtes une femme. Vous me regardez maintenant à la télévision. Regardez, la douleur, là, demain, la douleur de côlon s'en va maintenant au nom de Christ Jésus. Vous êtes une autre femme ici. Vous avez une fibromyalgie. J'entends le mot. Fibromyalgie. Et cela vous fait souffrir.
Mettez votre main sur le corps. Je réprime cette fibromyalgie maintenant. Je commande au nom de Christ Jésus de partir. Je commande à toute forme de tumeur qui commande dans votre corps, quel que soit, ce sein gauche, madame, il y a une rougeur depuis quelques jours, tu as peur. Pose ta main sur ce sein gauche-là. Je réprime cette rougeur, qu'elle soit cancéreuse ou pas. Je réprime cela ce soir. Je réprime cette sinusite. Sinusite, pose ta main sur ton front. Les drains sont fermés. Ton médecin a dit, cette sinusite-là, on ne la comprend pas. Reçois maintenant la guérison. Je commande à ces migraines qui ne partent pas, qui vont et viennent. Je réprime leur source au nom de Christ Jésus. Je réprime maintenant toute hépatite, quelle qu'elle soit. Hépatite A, B, C, tout cancer. Je réprime ce soir. Je commande à l'hépatite A, B, C. Je vous réprime à votre source. Maintenant, recevez la guérison ce soir. Je commande au problème des glandes, problème de thyroïde, problème de sang, problème d'hémorroïde, tous les problèmes. Je commande aux veines, aux artères qui ne fonctionnent pas. Je commande aux tachycardies, je commande aux problèmes des poumons, la pleurésie et la pneumonie aussi. Je réprime ce soir, que ce soit à la télévision, partout. Recevez la guérison ce soir au nom de Christ Jésus. Recevez la guérison. Elle sort maintenant. Elle produit. Mon Dieu, je commande au mon Dieu. Je commande à ce glaucome-là. Ces pressions des yeux. Pas. Ce soir, va vérifier demain matin. Va voir ton ophtalmologue. Ce soir-là, reçois la guérison. Ce soir, reçois les problèmes d'ulcère, des brûlures d'estomac. Pose ta main sur ton ventre. Maintenant, je réprime ces brûlures d'estomac. Reçois la guérison. Démon, esprit des démoniens, maintenant sors des corps, sors. Je réprime ces esprits maintenant ce soir. Reçois la guérison dans le nom de Christ Jésus. Lève les deux mains, lève les deux mains. Partout où tu es maintenant, lève les deux mains. Et ce soir, je vais souffler le souffle de vie sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi comme d'une nouvelle façon. L'onction de Dieu va te saisir. La présence de Dieu va te saisir. Et tu vas voir ce que Dieu va faire ce soir. Ferme tes yeux simplement. Et par la foi, reçois. Reçois ce soir. Descendez dans la foule. Les gens sont en train de partir à terre. Recevez. Reçois. Reçois maintenant. Reçois ce soir. Recevez ce soir, recevez. Recevez ce soir. Recevez ce soir. Recevez. Recevez ce soir. Recevez la grâce de Dieu. Recevez. Recevez ce soir. Recevez. Recevez. Recevez ce soir. Recevez. Recevez. Recevez ce soir. Recevez ce soir. Recevez. Recevez ce soir. Recevez ce soir. Recevez ce soir. Reçois maintenant. Au nom de Christ Jésus. Reçois. Dans le nom de Christ Jésus, recevez ce soir, recevez ce soir, recevez, 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 recevez ce soir, 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 l'onction de Dieu, recevez la grâce de Dieu ce soir, recevez la puissance, reçois, reçois maintenant, reçois, 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 reçois maintenant au nom de Christ Jésus, reçois, recevez ce soir, frère. Recevez cette onction de Dieu, recevez. Recevez cette onction, recevez. Recevez cette onction de Dieu ce soir. Dans le nom de Christ Jésus. Recevez ce soir, recevez, recevez. Recevez ce soir-là. La grâce de Dieu, maman. Maman, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'attouchement de la main du Seigneur. Recevez, recevez. Recevez ce soir, recevez. Recevez ce soir-là. La grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Recevez. 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 Recevez, recevez, reçois ce soir. Recevez ce soir, recevez, recevez ce soir. Au nom de Dieu, recevez. Recevez ce soir, recevez ce soir. Recevez ce soir, recevez. Recevez ce soir, recevez la grâce. Recevez l'onction de Dieu, recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu, recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu, recevez ce soir, reçois. Reçois ce soir, reçois ce soir, ce soir. Oh, reçois ce soir.
Recevez ce soir, recevez ce soir, recevez par la foi. C'est une grâce. Dieu fait de grandes choses dans vos vies, n'ayez pas peur. Il fait de grandes choses, que vous tombez ou pas. Recevez ce soir, les enfants. Recevez ce soir, la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, recevez la grâce de Dieu ce soir, dans le nom de Christ Jésus, prenez tous ceux qui sont à terre, ramassez tous ceux qui sont à terre, relevez-les maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Le groupe musical va chanter. On va s'arrêter là ce soir. Demain, on va continuer. Chaque soir, je vais prier pour les malades. Demain, je vais prier pour les différentes maladies encore, les tumeurs, autre chose là. Si cette semaine-là, Dieu ne guérit pas les gens, Dieu ne délivre pas les gens, donc c'est pas la peine d'être pasteur encore. Croyez, frères et sœurs. Levez vos mains, rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Asseyez-vous. Vous qui êtes venus ici, vous ne connaissez pas ce Jésus-là. L'occasion vous est donnée ce soir. Si vous voulez recevoir ce Jésus comme Sauveur et Seigneur, vous tenez debout. Vous voulez le recevoir comme Seigneur et Sauveur, tenez-vous debout. Voilà. Vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur. Que Jésus rentre dans votre cœur. Voilà. Calmez certaines personnes. Calmez-les. Mettez votre main sur votre cœur. Vous qui êtes debout, mettez votre main sur votre poitrine. Votre cœur là. Mettez votre main. Dites avec moi simplement, doucement. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi à la croix du calvaire. Non seulement tu as porté tous mes péchés, j'ai eu la rémission de mes péchés, mais mon vieil homme a été crucifié avec toi. Et maintenant, par ton ensevelissement, mon vieil homme a été enseveli. Par ta résurrection, j'ai été ressuscité. Je suis justifié. Et par le Saint-Esprit, je reçois maintenant un esprit nouveau. Je nais de nouveau dans ton royaume. Maintenant, je reçois la vie éternelle, la vie divine. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Ce soir, je te remercie. Je suis citoyen du royaume des cieux et la vie divine est en moi. Merci Seigneur. Amen. Acclamez-les. Asseyez-vous. Bon accueil dans la maison. Alléluia. Alléluia. Pour toutes ces personnes qui ont fait cette prière pour la première fois, si vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous vous demandons s'il vous plaît de prendre vos affaires et de vous approcher sur le devant. Il y a un conseiller qui se tient là sur ma gauche et nous allons prendre quelques temps avec vous pour vous recevoir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes? C'est une grâce, c'est une bénédiction. C'est la plus belle décision pour votre vie. Avancez-vous devant. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Amen. Si nous comprenons ces choses, nous sommes bénis. Nos vies seront transformées. Nous verrons la gloire de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Il m'appartient de prendre congé de toute la famille internaute, ainsi que tous les campus qui nous ont suivis en direct. Nous bénissons le Seigneur et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Demain, donc, nous sommes ici à partir de 19h.
jusqu'à 21h30 et en fait jusqu'à là où le Seigneur nous conduira. Amen. Et nous avons aussi deux sessions, donc demain une session de 19h à 21h30 et samedi nous aurons deux sessions, la première de 15h à 17h et la seconde de 18h à 20h. Soyons à l'heure, soyons nombreux parce que c'est un rendez-vous divin avec le Seigneur. Amen. Si nous comprenons ces choses, nos vies seront changées. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans sa présence? Nous allons, ne partez pas avant la prière finale, s'il vous plaît. Nous allons incliner nos têtes parce que la fin de ce moment n'est pas la fin de sa présence dans nos vies. Inclinons nos têtes pour prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci encore pour ce que nous avons reçu. C'est tellement précieux pour nos vies. Seigneur, nous comprenons que si nous mettons en pratique ces choses, nous allons vivre sur cette terre une vie chrétienne victorieuse. Nous voulons plus que jamais t'ouvrir nos cœurs pour laisser, Seigneur, couler en nous des fleuves d'eau vive. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Rends-nous davantage conscients de cette présence glorieuse que nous avons. Nous avons reçu. Tu es une personne, Seigneur, dans nos vies, au quotidien. Tu es à nos côtés. Tu veux agir. Tu veux répandre au travers de nous la bonne odeur de Christ. Seigneur, merci pour ce fait. Merci. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la majesté. Alors que nous allons nous quitter, Seigneur, nous remettons les retours entre le creux de tes mains. Nous prions, Seigneur, pour libérer le ministère des anges. Merci pour la protection divine. Merci de nous vivifier, de nous restaurer, Seigneur. Merci déjà pour nos nuits, nos sommeils qui sont doux et paisibles. Nous te recommandons, Seigneur, déjà la journée de demain et la soirée de demain. Garde-nous, notre Père et notre Dieu. Merci pour la communion du Saint-Esprit. Merci pour l'amour de Dieu. Merci pour la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi soit la gloire, notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un veut t'acclamer. Alléluia. Que nous